Welcome to this 14th edition of the Institute of Geolinguistics at McGill. This 14th edition is a bit special for a few reasons. First of all, for those who are regulars, you probably know this event as the Summer Institute of Geolinguistics. Well, it does smell like spring, at least for those who live in the Montreal area, but we're still in the winter, at least officially until tomorrow. So this is a winter Institute of Geolinguistics. That's special and new this year. It is also special because this year edition is offered entirely online. Obviously, we can thank COVID for that. But joke aside, it is a truly wonderful opportunity because it allows us to have panelists from everywhere in Canada, from coast to coast to coast. And also to welcome you all today, there was close to 400 people signed up for this event from all parts of Canada and even from beyond. So thank you all for joining from the world. This year event is also special because, it's also special because it's being co-organized. First of all, by the Centre Crépeau, as usual. I will give the mic to my colleague in a second, Étienne. But it is also co-hosted by the brand new graduate diploma in legal translation at McGill, which is fully offered online, just like this event, so that professionals from all over Canada can attend. And all that thanks to funding from Justice Canada, who has also funded today's event. So double thank you to Justice Canada. By the way, my name is Marie-Hélène Girard. I am an assistant professor and academic coordinator in the Graduate Diploma in Legal Translation at McGill. Also, spoiler alert, the last special thing about this event is a special, special guest. Don't look for his name in the program. His name is nowhere to be found. It is a big surprise, and only the brave amongst you who stay until the end will know his identity. So this is a big surprise, the la cerise sur le sundae, as we say. So we also have a wonderful list of panelists. They're all special as well. But before we get to them, before we hear from them, I would like to take a moment to explain the genesis of this event, as well as a few pointers on how it will unfold. So let's start with the pointers. This is a Zoom webinar, so don't look for the camera, don't look for the microphone, you cannot turn them on, but it doesn't mean that you cannot interact with us. Quite the opposite, at the bottom of your screen, you will find the chat and the Q&A. Please use the Q&A for your questions to our panelists and the chat for your general messages to cheer us on, for example. So recap, the Q&A for questions to panelists and the chat for general messages. And we have a preference for messages of love, please. So today's event will be divided in five parts consisting of 2 to 4 panelists each. To consult the program, please go to the event page. My colleague Étienne is providing the link in the chat. And you will also find on the event page all the panelists' biography. We have many panelists today, and we want to spend more time hearing from them than telling you about them. But all their background information is available on the event page. Each panelist will have more or less 5 minutes, 5 minutes, panelists, remember, to discuss a question related to the language of the law in Canada, related to their reality of geolinguistics. Each block will be followed by a Q&A. My co-host Étienne will choose 1 or 2 questions to be answered by our panelists, depending on how much time we have. But we also ask our panelists if they feel comfortable doing so after their presentation, after their block, they can go in a Q&A session and answer any unanswered question in writing themselves. This is a bilingual event, so please feel free to use your language of preference and take note that this event is being recorded. Now, what about the genesis of this event? Well, when we launched a graduate diploma in legal translation in the fall last year, we found ourselves with a lot of questions, mainly about the target audience, legal translators, but more generally, geolinguists. Who are they? What do they do? Where do they work?
What type of text do they deal with? What type of tasks do they perform? And what are their training needs and so on? We had many questions, but very few answered. Indeed, we know there's been reports that, notably from Justice Canada, that there's a huge demand for legal language specialists across Canada and that their daily activities are vital for our country. Yet we know very little about them. So we started a Pan-Canadian tour to go and meet your linguists across Canada and to find out about their daily work dealing with the language and the law. And we found that all jury linguists, all, we all work towards improving access to justice through language. But we all do so in very different ways. So today we invited some of the wonderful people we've met in that journey to share with us, to share with you their daily challenges, their realities of jury linguistics. Each of them will tackle a specific challenge or reality so that you can truly see the scope, extent, and variety of jury linguistics in Canada. Jury linguistics is no longer just a matter of co-drafting. Jury linguistics has become much more than that. And I hope that's the main takeaway that you take from this event today. So we're now ready to start with the first block of presenters. The topic is terminology and jury linguistic tool. And the first presenter is also my co-host, Étienne Cossette-Lefebvre, who will be presenting the activities of the Centre Repo and mainly as they relate to English Civil Law Dictionary. Étienne, the floor is yours. Merci Marie-Hélène. Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Étienne Cossette-Lefebvre. Je suis le directeur adjoint du Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé à la Faculté de droit de l'Université McGill. En tant que co-hôte de l'Institut, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je remercie d'emblée infiniment tous nos panélistes pour leur contribution aujourd'hui et je salue tout particulièrement mes collègues des trois autres centres du Réseau canadien de jury linguistique, François Blais du Centre de traduction et de documentation juridique d'Ottawa, Serge Roussel du Centre de traduction et de terminologie juridique de Moncton et Eileen Clark du Centre de ressources en français juridique de Saint-Boniface. Comme ce premier bloc d'intervention porte sur la terminologie et les outils de la jury linguistique, j'ai cru bon de vous présenter les projets de terminologie juridique du Centre Crépeau et en particulier le projet des dictionnaires de droit privé et lexique bilingue. Ce projet, lancé en 1981, réunissait plusieurs jurylinguistes et experts juristes qui ont conçu une structure et un contenu des différentes entrées du dictionnaire, reflétant la dynamique particulière des registres français et anglais du droit privé au Québec. Une première édition des dictionnaires est parue en 1985, suivie en 1991 par une deuxième édition dont le répertoire de 4000 termes a largement montré l'intérêt scientifique de l'œuvre. Plusieurs des ouvrages du dictionnaire sont accessibles en ligne et je vous partage à l'instant le lien pour y accéder dans la fonction chat. Le projet lexicographique du Centre Crépeau est par la suite entré dans sa troisième édition, rendue nécessaire par l'entrée en vigueur en 1994 du Code civil du Québec, qui a profondément secoué le vocabulaire du droit civil québécois. Cependant, la troisième édition est plus qu'une simple mise à jour de la dernière édition, puisqu'elle se démarque de ses prédécesseurs tant sur le fond que sur la forme. En ce qui concerne le fond, les entrées principales du dictionnaire constituent de véritables études lexicographiques. En effet, la nouvelle édition s'est engagée dans une orientation résolument didactique, dont l'objectif est non seulement de répertorier le vocabulaire du droit privé québécois, mais aussi de faciliter la compréhension des termes définis en décrivant les contextes juridiques, linguistiques et théoriques dans lesquels ils se situent. En ce qui concerne la forme, la troisième édition a été divisée en une série de dictionnaires indépendants portant sur des domaines particuliers du droit privé québécois. À ce jour, quatre ouvrages importants ont été publiés, le dictionnaire de la famille en 1999, le dictionnaire des obligations en 2003, le dictionnaire des biens en 2012 et le dictionnaire des familles en 2016. Le dictionnaire de droit des successions actuellement en cours est dans sa phase finale. Le manuscrit doit être achevé d'ici la fin de l'été 2021. En exprimant le droit privé dans les langues françaises et anglaises,
Les dictionnaires de droit privé sont des outils de connaissance originaux qui tiennent compte du fait que le droit privé québécois évolue dans un cadre linguistique et juridique unique au monde. En cela, ils constituent les seuls ouvrages de terminologie juridique pouvant prétendre refléter la spécificité bilingue et bijuridique de la culture québécoise. En effet, les dictionnaires de droit privé sont l'une des rares publications juridiques au Québec dans les deux langues officielles. En produisant et en diffusant des ressources de droit civil en langue anglaise, le projet lexicographique du Centre Crépeau répond à un besoin important et fondamental de la minorité anglophone du Québec. Comme l'a déjà souligné Nicolas Cazérère, ancien directeur du Centre Crépeau et maintenant juge à la Cour suprême du Canada, le bilinguisme juridique constitue un des principes fondateurs du projet du Centre Crépeau. Ce projet découle d'une prémisse selon laquelle le français et l'anglais sont des langues aptes à exprimer l'ensemble de la pensée civiliste québécoise provenant de la tradition civiliste française. Une telle prémisse peut sembler aller à l'encontre de l'idée largement répandue selon laquelle il y aurait une relation privilégiée entre le droit civil du Québec et la langue française. De fait, les lacunes de la langue civiliste anglaise fournissent parfois une impulsion à la création de nouveaux mots, de néologismes tels « constituent » to describe a person who establishes a right, ou encore « créance », a term that has been suggested as an alternative English language equivalent to the French term « créance ». Néanmoins, le Centre Crépeau persiste dans sa profession de foi à l'égard du grand rêve du bilinguisme juridique. La tradition civiliste n'exige pas que le droit soit exprimé uniquement en langue française. On peut faire du droit civil en anglais et la relation intime entre le français et le droit privé d'origine française ne pose pas d'obstacle à l'élaboration d'un lexique anglais de droit québécois. Certes, l'histoire du droit civil en anglais au Québec, et c'est là l'enjeu principal du droit civil en langue anglaise, fait preuve d'une préoccupation constante de ne pas invoquer par automatisme le vocabulaire anglais de la common law. Il s'agirait d'anglicisme juridique, c'est-à-dire l'emploi d'une expression provenant de la common law, alors que les sources véritables du droit civil québécois dicteraient l'emploi d'une expression anglaise civiliste. À titre d'exemple de tels anglicismes juridiques, on peut penser à l'emploi du terme « chattel » plutôt que « movable property » pour décrire les biens meubles, l'emploi du terme « mortgage » plutôt que « hypothèque » pour décrire l'hypothèque, l'emploi du terme « easement » plutôt que « servitude » pour décrire la servitude, ou encore le diabolique emploi du terme « consideration » plutôt que « counterprestation » pour décrire la contrepartie civiliste. Comme l'a déjà souligné le professeur Mathieu Devina, un ancien directeur adjoint du Centre Crépeau, dans les deux premières éditions du dictionnaire, le professeur Crépeau, faisant œuvre de normalisation, a dénoncé ces anglicismes juridiques et a utilisé la lettre X pour signaler un emploi à proscrire, une dénomination à éviter. Par la suite, dans la troisième édition du dictionnaire de droit privé, le comité de rédaction a préféré ne plus porter un jugement global sur le phénomène par lequel la langue juridique québécoise comporte plusieurs anglicismes et emprunts à la common law, étant donné les conditions particulières de leur apparition et les réactions aléatoires que ces usages ont suscitées. D'une façon générale, le comité de rédaction préfère faire état des critiques relatives à certains usages plutôt que de se prononcer sur leur bien fondé. Néanmoins, on peut soutenir que faire du droit civil en anglais, ce n'est pas en principe traduire d'un système de droit à l'autre, du droit civil à la common law, mais plutôt penser le droit civil en langue anglaise en demeurant à l'intérieur du système de tradition civiliste. Je vous remercie pour votre attention. Thank you, Étienne. Next up, we have François Blais from the Center for Legal Translation and Documentation. Bonjour, je suis François Blais, j'ai ancien directeur du Centre de traduction et de documentation juridique à l'Université d'Ottawa, mais en l'absence d'un directeur actuellement, je représente toujours le centre dans des activités comme celle d'aujourd'hui. Je vais vous parler très rapidement de l'importance de conserver les dictionnaires et les ouvrages périmés. Tout d'abord, je vais commencer par vous raconter une anecdote. Il y a quelques années de ça, j'étais en train de faire du ménage dans le sous-sol de la maison de campagne de mon épouse et j'ai découvert un outil étrange. En fait, j'en avais jamais vu comme ça.
Et il s'agissait d'une espèce de pic en bois avec une pointe de métal et un bras articulé sur le côté. Mon beau-père est arrivé et comme il avait déjà été bûcheron dans sa jeunesse, je me suis dit qu'il devait pouvoir facilement l'identifier. Il m'a tout de suite dit que c'était un pivet et qu'on s'en servait pour empiler les troncs d'arbres abattus. Ma belle-mère est arrivée, elle s'en est mêlée, et a dit que son père, à elle, appelait ça une canne-dog. Ils se sont mis à s'obstiner, pivet, canne-dog. Moi, je n'avais jamais entendu ces termes-là. Je ne connaissais pas du tout l'outil. Je ne pouvais pas arbitrer leur dispute et dire que l'un avait raison et pas l'autre. Revenu à la maison, j'ai tout de suite consulté mon vieux Bélil, Dictionnaire général, je ne sais pas si vous le voyez, moi, comme ça, Dictionnaire général de la langue française au Canada. Et j'y ai trouvé, bien sûr, le terme pivet, avec une définition très précise de l'outil. Et à la fin, on indique synonyme canne-dog. Et à canne-dog, on trouve la même définition et voire pivet. Les deux avaient donc raison. Pivet, ça vient du nom de son inventeur, un certain monsieur Pevy, et canne-dog du mot anglais qu'il désignait cant-hook. Par après, lorsque je suis allé faire la mise au point de ma scie mécanique, j'ai remarqué qu'au mur, il y avait le même outil en décoration. Et puis, j'ai demandé au propriétaire, qui est un jeune homme, j'ai dit, comment ça s'appelle, cet outil-là? Ah, il m'a répondu, c'est un tournebille. Ah, et que certains anciens appelaient pivet, canne-dog ou cantouk. Donc, je savais maintenant tout de cet étrange instrument, beaucoup grâce à mon vieux dictionnaire qui date des années 50-60. En fait, la société Grolier le donnait en prime avec son encyclopédie. Les plus âgés d'entre vous s'en souviennent certainement. C'est un dictionnaire qui est maintenant tombé en désuétude et périmé depuis longtemps, mais il contient des milliers de mots qui sont maintenant disparus. Un autre exemple, beaucoup plus récent, en fait, il y a deux semaines, dans un dossier concernant un jugement relatif à un immeuble, il y avait une facture datant de 1920 d'un plombier qui réclamait 1,25 $ pour l'installation d'une chanteplure. Ah, il s'agit bien sûr de ce que mes parents, mes grands-parents, appelaient une champlure. Mes enfants, mes petits-enfants n'ont jamais entendu ce mot-là, et qui vient de chantepleur, un robinet de tonneau qu'on appelait champlure en Normandie et champleuse en Picardie au 17e siècle. Il est bien défini dans le Bélil et aussi dans une édition du 19e siècle du Littré que j'ai la chance d'avoir. On trouve aussi dans les dictionnaires modernes, en fait, chantepleur se trouve dans le Larousse, dans le Robert, dans d'autres dictionnaires aussi. Mais champlure, c'est beaucoup plus rare. Et si on le trouve, on le trouve comme un mot vraiment désuet, archaïsme ou régionalisme. Pour terminer, trois termes de ce que j'appellerais de la paléo-jurilinguistique, qui ont été relevés dans des actes notariés des 17e et 18e siècles par un collègue. Le terme parfournissement, entretènement et pendant et constant le mariage. Parfournissement, ça signifie l'action d'achever de fournir ce qui est nécessaire pour rendre une chose complète. C'est un terme que j'ai retrouvé dans mon vieux Littré, très bien défini. Et le verbe parfournir est dans le Bélil, mais ailleurs, on ne trouve pas ces mots-là du tout. Entretènement a le sens d'exécution d'un contrat. C'est un sens particulier. Je l'ai trouvé dans mon vieux Littré aussi. Toutefois, on trouve le sens de l'expression « pendant et constant », bien sûr dans les dictionnaires anciens, mais j'ai trouvé sa définition précise
dans un dictionnaire moderne, en pleine évolution, même s'il s'agit d'une expression complètement périmée. C'est le dictionnaire qui nous vient de Moncton, du centre de Moncton, le juridictionnaire dans Termium. C'est la dernière acception du terme et ça se trouve là. Donc, pour conclure, il convient d'accorder un peu de respect aux vieux ouvrages et de les conserver. Même les vieux petits Larousse des années 50 et 60 qui dorment dans les sous-sols de vos parents ou de vos grands-parents, ils renferment des mots disparus et on ne sait jamais quand on pourra en avoir besoin. Merci beaucoup. Merci, M. Blais. On passe maintenant à M. Jourdain, qui va nous parler de terminologie française. Oui, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, comme on l'a déjà évoqué, il y a de grands efforts qui sont accomplis depuis une quarantaine d'années pour normaliser la terminologie française de la Common Law. Alors, essentiellement, l'entreprise consiste à créer une terminologie qui est fidèle d'une part au concept et au réseau national de la Common Law et d'autre part à l'esprit ou au génie de la langue française. Dans nos milieux francophones minoritaires où la justice s'est toujours rendue exclusivement en anglais ou à peu près, il y a également tout un travail de vulgarisation et d'apprivoisement qui doit se faire auprès des justiciables. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un outil qui a été mis au point à la fin des années 1990 pour mieux faire connaître la terminologie juridique et ses subtilités. Il s'agit du jury courriel, d'abord réalisé sous l'égide de l'Institut Joseph Dubuc et maintenant du Centre de ressources en français juridique. Le concept de base est d'envoyer une brève capsule linguistique à intervalles réguliers aux professionnels du droit, aux langagiers et au grand public. L'idée est que les gens puissent prendre 5 ou 10 minutes pendant leur pause café pour se familiariser avec des finesses ou des écueils du français juridique. Pour rendre la chose digestible, il faut faire le tout avec une certaine légèreté et un peu d'humour. Au fil des années, nous avons couvert au-delà de 200 termes et expressions qui peuvent présenter des embûches dans le milieu minoritaire où l'anglais est omniprésent et où de nombreuses interférences linguistiques sont communes. Nous avons abordé des distinctions relativement simples, comme celle entre légal, juridique et judiciaire. Nous avons aussi traité des éléments plus techniques, comme les termes charité et charity, et également royauté et royalty. Souvent, il s'agit de mots qui possèdent une origine commune, en français et en anglais, mais qui ont évolué de manière différente dans les deux langues. Nous tentons simplement de remettre les pendules à l'heure. Ma collègue Carmen Roberge, directrice de l'école de traduction de l'Université de Saint-Boniface, et moi concoctons des jurys courriels depuis déjà plus de 20 ans et nous prenons toujours beaucoup de plaisir à le faire. Nous restons toujours aux aguets de difficultés linguistiques. Par exemple, j'ai récemment entendu le terme précédent dans son sens anglais de precedent, donc dans son sens de modèle d'acte juridique. Alors, nous avons consacré un jury courriel à ce sujet et il sera publié bientôt. Je pense que Eileen Clark vient d'indiquer que vous pouvez trouver les jurys courriels sur le site du Centre de ressources juridiques en français de l'Université de Saint-Boniface. Ils sont également diffusés via mon compte personnel sur LinkedIn. En terminant, je tiens à remercier le Centre de ressources juridiques en français pour son parrainage et également Justice Canada pour son appui financier constant au fil des années. Et puis peut-être une petite anecdote que j'aimerais rajouter, c'est que dans la langue québécoise ou canadienne française, on se sert souvent de régionalisme ou d'archaïsme, comme les gens vont dire un chemin de gravelle.
où ma mère disait canceller son appointement chez la coiffeuse. Alors, on peut se poser la question pendant longtemps, est-ce qu'il s'agit d'anglicisme ou est-ce qu'il s'agit d'archaïsme ou de régionalisme? Alors, c'est cette, comment dire, ce rapprochement entre l'ancien français et l'ancien et l'anglais moyen qui donne lieu à des débats passionnants. Alors, je m'arrête là-dessus et je cède la parole à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, M. Jourdain. On va passer à la dernière personne de ce bloc, M. Bergeron, qui va nous parler de technologie en langage du droit. Oui, bonjour. N'achetez pas votre appareil, fermez les yeux, pas besoin de me voir. Je vais vous parler plutôt de l'enjeu de la technologie pour le secteur privé de la traduction juridique, puisque c'est ça que je connais. Et donc, je parle plutôt de valeurs mobilières et de contrats et de ce genre de choses dans les grands cabinets d'avocats. Je vais partir de l'effet de la pandémie sur notre travail. On s'est affranchi du lieu de travail, de l'horaire de travail, du transport vers le travail, du papier, des vêtements et des cadrans. Et les clients ont coupé dans les dépenses, mais il y avait un flot de renseignements à traduire sur la COVID. Alors, on a réfléchi à des solutions. Et on s'est penché sur le processus de traduction juridique dans nos cabinets, qui se fait en deux phases. La première phase, c'est la traduction. La deuxième, la révision. Donc, traduction qui peut être tapée ou dictée et révision de cette traduction. Notre critère pour le résultat et pour la responsabilité du cabinet, c'est l'exactitude à tous égards importants. Donc, il y a quand même un flottement. Ce qu'on veut, c'est une exactitude juridique et tout le monde s'entend là-dessus. Donc, la solution est évidente. On l'a depuis longtemps, mais récemment, c'est une solution qui vraiment doit être utilisée. Il l'est d'ailleurs. C'est l'intelligence artificielle, la traduction neuronale. Parce que l'humain coûte cher et ralentit le processus. C'est aussi simple que ça. Alors, l'intelligence artificielle, je vous l'annonce, n'est pas un outil pour aider les traducteurs, c'est une machine qui va les remplacer. Et ainsi, on va éliminer la phase traduction humaine. Et c'est un avertissement que je donne au milieu de l'enseignement qui doit s'adapter immédiatement. Former des traducteurs, je ne suis pas sûr que c'est la bonne chose, c'est former des réviseurs de traduction machine. Et des experts en documents juridiques. Et le défi, c'est d'être meilleur que la machine dès la sortie de l'université. Alors, ce que je vous dis là, ça ne va pas arriver. C'est déjà arrivé. Les clients l'exigent, le marché l'exige. C'est un vent fou qui balaye tout. Les secrétaires, les recherchistes, les parajuristes, la preuve électronique, les comptables, les radiologistes. Et il n'y aura pas de retour en arrière. On va devenir comme des pilotes dans un avion qui ne touche à rien, mais qui n'interviennent qu'en cas de problème, parce que la machine n'est pas responsable en cas d'erreur. Donc, mon message, c'est vraiment ça, c'est former des réviseurs qui vont être capables de donner une plus-value à une traduction machine contre laquelle aucun humain ne peut se battre. La vitesse, le coût, c'est les deux. Faire de lance, c'est les deux problèmes qu'il y a dans le marché actuellement et c'est le seul moyen de le régler. Et ça se passe malgré nous, alors c'est ou bien on va avec ou on le subit. C'est pas un constat d'erreur ou quoi que ce soit, je pense que c'est plutôt de former des gens qui vraiment sont au haut de la connaissance juridique, donc en anglais et en français. La machine, l'intelligence artificielle, du français vers l'anglais, je vous le dis tout de suite, ça fait 2 ans qu'on n'utilise plus aucun traducteur. La machine est très efficace. Vers le français, c'est plus compliqué, mais étant donné que c'est une machine qui apprend, je ne donne même pas 3 ans encore pour le changement complet dans le secteur privé. Mais comme disait mon filleul de 5 ans, on n'est pas demain, on est aujourd'hui. Alors, c'est un pensez-y bien, puis c'est un peu mon message aujourd'hui. C'est ça, la technologie, qu'est-ce qu'elle fait.
Deux petits scoops en passant, mon quatrième roman va être publié chez Le Meillac la semaine prochaine. Et chez McCarthy Tétrault, on engage des avocats réviseurs en ce moment. Merci. Alors, merci beaucoup à tous nos panélistes pour ce premier bloc d'intervention. Nous n'avons pas énormément de questions dans le Q&A. Nous avons un commentaire que je pourrais formuler sous forme de question qui s'adresserait à M. Michel Bergeron. M. Bergeron, si vous vouliez bien répondre à cette question. À propos du contexte, et donc le commentaire est à l'effet que la machine ne tient pas compte du contexte. Donc, j'imagine que ce que la personne veut dire, c'est que la machine ne tient pas compte du contexte dans lequel, évidemment, l'expression, les mots sont utilisés. Avez-vous quelques mots à nous dire à ce sujet-là? Ça fait 3 ans que j'ai monté notre propre machine et je comprends que la traduction neuronale générique, celle qu'on connaît dans Google Translate et tout ça, est plus ou moins adaptée. Moi, j'ai des modules de filtre, des modules juridiques remplis de 10 millions de mots révisés top-notch, comme on dit. Alors, je m'excuse, mais les résultats qu'on a, la machine réussit à trouver c'est quoi le contexte. Et il y a quelques manipulations qu'on doit faire avant et après. Mais les résultats sont époustouflants et je sais que ça prend quand même du temps à monter, à faire. Ça prend de l'énergie, ça prend beaucoup de budget. Les grands cabinets longs font ce travail-là. Comme je vous disais, c'est pas par choix. C'est les clients le savent que ça existe. Ils l'exigent, le marché l'exige. Depuis tout ce qui est valeur mobilière, il y a une lutte depuis 10 ans pour ne pas traduire les documents en français pour les prospectus et les documents intégrés par avoir dans les prospectus au Québec parce que ça coûte trop cher. On arrive avec une solution. C'est tout simplement ça. Solution de vitesse. Nous, on a réussi à faire 80 000 mots en 10 jours, réviser tout. Je ne sais pas qui peut battre ça. C'est impossible. Et la machine... le contexte, vous pouvez faire des filtres et des modules séparés qui refiltrent. Et dans cette optique-là, les algorithmes, les budgets qui sont mis là-dessus par les grands, ceux qui développent ça, les sommes sont tellement faramineuses qu'ils vont arriver avec des solutions dans le temps de le dire. C'est pour ça que je dis 2-3 ans, puis même là. Et c'est pas loin encore, mais... peut-être un petit peu plus loin, mais où il va y avoir une machine qui va réviser la traduction machine. Mais, tu sais, j'ai l'air d'un peu fou, là, mais c'est la réalité. Je ne peux pas me battre contre ça. C'est ça qui se passe. Mais comme je disais, tout ce qui est juridique, médical, tout ce qui a une conséquence immense va quand même demander un responsable pour qu'on puisse le poursuivre, pour dire c'est sa faute et ça ne sera pas la machine la faute. Donc, il va toujours avoir un humain responsable. Mais là où il y avait 10 humains avant, il va en avoir juste un dans l'avenir. Donc, c'est un peu ça. Il va falloir s'adapter. Il va falloir trouver. À mon avis, il va falloir redécouvrir que l'être humain n'est peut-être pas fait pour aller dans la vitesse extrême comme ça. Et peut-être qu'on va redécouvrir la lenteur et d'autres domaines dans lesquels on va pouvoir être meilleur que la machine. Mais ce que je vous dis là c'est la réalité. Puis, c'est pas. Moi, je trouve ça bizarre parce que je vois. Souvent, le TIAC qui dit « Ah oui, c'est une aide à la traduction. » Ce n'est pas une aide à la traduction. C'est une perte de temps d'avoir un traducteur, puis après ça, qui prend la traduction machine, qui essaye de la peaufiner, après ça, tu donnes ça à un réviseur. C'est une perte de temps complète. Ça va direct au réviseur. Donc, il faut former des réviseurs. C'est ça qu'il faut. Donc, le contexte, la machine, moi, dans mes contextes, elle se débrouille très bien. C'est sûr que si tu vas avec les domaines de droit sont tellement variés que ça, je pense que ça va prendre des modules pour chaque domaine, mais éventuellement, avec ces filtres-là, puis les algorithmes de traduction neuronale, on ne peut pas se battre contre ça. Voilà. Merci beaucoup, M. Bergeron, pour votre réponse. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci.
dois quitter cependant, justement pour aller réviser une machine. Merci. Parfait, merci beaucoup. Alors, merci. On va passer à la deuxième partie. Je suis contente de voir qu'il y a des débats concernant certains enjeux qu'on soulève déjà. Alors, on va passer à la deuxième partie qui porte sur le recrutement et la formation, qui sont aussi des enjeux très importants ici au Canada. On va commencer avec Serge Roussel du Centre de traduction et terminologie juridique à Moncton. Merci, bonjour tout le monde, et je vais vous dire que je vais commencer en prenant une bonne gorgée d'eau que j'ai été chercher, comme on dit en Acadie, à la Champlure. Donc, à toi François. Donc, je dois admettre que le recrutement, les enjeux de recrutement, ces défis, les défis de recrutement, c'est pas un thème qui fait généralement partie de mes sujets de présentation. Je dois admettre que je suis beaucoup plus à l'aise généralement de parler de droit constitutionnel, en particulier de droit linguistique et des droits des peuples autochtones. Mais quoi qu'il en soit, comme on m'a demandé d'aborder ce thème et je n'ai que 5 à 7 minutes, je me lance immédiatement. Si vous allez consulter les sites d'experts qui ont trait aux tendances de recrutement en général en 2021, vous remarquerez immédiatement qu'il y a certains éléments clés qui reviennent sans cesse, plusieurs étant évidemment liés à la pandémie. Donc, premièrement, vous remarquerez que, et cela va de soi évidemment, on dit que le télétravail a la cote. Mais évidemment, de cet enjeu, plusieurs autres enjeux en découlent. Ainsi, par exemple, deuxièmement et par conséquent, je devrais dire, l'embauche se fait de plus en plus au-delà de la région traditionnelle, de son aire géographique habituelle de travail pour chacun des milieux. Troisièmement, on nous dit également, parmi les grandes tendances en termes d'enjeux, il y a une augmentation évidemment des entretiens virtuels pour l'embauche. Quatrièmement, on nous parle qu'au-delà des connaissances professionnelles requises, évidemment, les connaissances techniques, informatiques deviennent évidemment cruciales dans le contexte actuel. Et enfin, et non les moindres, on nous parle des fameux soft skills, donc des compétences non techniques. Les soft skills sont à l'honneur, que ce soit l'adaptabilité, l'autonomie, le leadership, etc. Ces divers éléments liés aux tendances de recrutement ne sont évidemment pas étrangers au monde de la jurilinguistique. Pour utiliser mes observations en raison de ma courte expérience à la direction du CTTJ, je vais un peu faire une étude de cas très subjective à partir de divers éléments qui ont attiré mon attention au cours des deux dernières années, particulièrement de la dernière année, et qui sont liés évidemment aux enjeux du recrutement de jurilinguistes. Tout d'abord, en ce qui a trait au premier, la première grande tendance, le premier grand enjeu, donc évidemment le télétravail à la cote. Et il faut savoir que chez nous, du moins, toute une génération de jurilinguistes ont été ceux qui ont été vraiment les premiers, les pionniers, les pionnières de la common law français chez nous. L'heure de la retraite a sonné et il faut donc évidemment renouveler nos troupes. Cette première génération-là là, de jurilinguistes chez nous avait suivi, pour utiliser un jargon convenu, un certain modèle d'affaires du CTTJ, un modèle que, pour les besoins de la cause, je qualifierais de fondé sur une approche pyramidale. Évidemment, une approche pyramidale légale, il va sans dire, à trois niveaux. Donc, il y avait des gens qui faisaient de la traduction, de la révision, recherche jurilinguistique, production lexicographique et enfin, relecture de textes. Ainsi, de prime abord, on entrait, par exemple, au CTTJ à titre de traducteur-traductrice. Et pour ceux et celles qui avaient un peu moins de connaissances et de formation en common law français, ils pouvaient, par exemple, suivre gratuitement, comme auditeur libre, bien souvent, des cours à la faculté de droit pour enrichir leurs connaissances et leur vocabulaire de la common law français, tout en s'enrichissant dans une équipe, un travail d'équipe, évidemment, et un climat d'échange intellectuel sur place. Bref, l'encadrement était très présent dans le cadre d'une formation continue. Or, je dois admettre qu'avec les deux nouvelles embauches au CTTJ au cours de la dernière année, évidemment, force est de constater que les deux nouvelles recrues ne bénéficient pas de ce même encadrement d'échanges soutenus, particulièrement donc de l'enrichissement provenant de nos plus anciens qui sont chez eux dans le contexte de la pandémie. Et évidemment, les périodes de probation de 3 à 6 mois courent quand même toujours. Par ailleurs, la question de nos exigences à l'embauche se pose également
pour ceux et celles que nous embauchons à distance et qui sont appelés à travailler à distance et pour lesquels cet encadrement, évidemment, est à repenser. Pour l'instant, je constate simplement qu'au cours de la dernière année, par exemple, pour une quinzaine de traductrices et traducteurs pour qui nous avons fait passer le test d'embauche, nous n'en avons retenu que 5 qui offraient une qualité exceptionnelle dès le point de départ et pour lesquels nous avions moins à nous soucier d'un encadrement soutenu, entre autres, dans le domaine de la common law français. Bref, y aurait-il un effet sur les exigences à la hausse lors de l'embauche? J'ose au moins poser la question. Je vais ici ouvrir aussi une parenthèse pour souligner un autre enjeu, un autre défi, soit celui donc qui est lié évidemment à ce que j'ai appelé tout à l'heure le deuxième niveau de notre pyramide, c'est-à-dire la révision et la recherche jurilinguistique, donc les outils, faire des outils lexicographiques. Je remarque que les traductrices, traducteurs d'expérience qui travaillent pour nous, j'ai offert à 2 d'entre eux de passer à l'étape de plus de recherche jurilinguistique, d'outils lexicographiques, et les personnes n'étaient pas intéressées au premier abord. Et donc, c'était plus une question, je crois, que de liberté. On fait de la traduction, on est très heureux. Question de responsabilité en cas d'erreur, confort au travail. Mais c'est tout simplement un peu un constat que notre modèle d'affaires est à cet égard certainement appelé à changer. Cela dit, s'agissant de la deuxième tendance qui dit télétravail, dit également l'embauche et le travail qui se fait de plus en plus au-delà de sa région traditionnelle pour chaque milieu de travail, donc au-delà de l'aire géographique habituelle. Donc, force ici est également de constater que même en 2021, certains clients dans le domaine jurilinguistique exigent encore que le travail se fasse dans une certaine aire géographique. Par exemple, une clause contractuelle par laquelle un client exige que le travail se fasse au Canada. Donc, par exemple, cette année, on a 2 excellentes personnes qui travaillent pour nous qui, compte tenu de leur réalité familiale, travaillent actuellement à partir de l'Europe et nous sommes dans l'impossibilité de les faire travailler sur certains dossiers majeurs compte tenu d'une telle restriction. Évidemment, à l'heure de la technologie et des clés de sécurité existantes, je ne m'aventurerai pas ici à vous parler du bien fondé ou non d'une telle restriction. Je me contenterai de souligner cet enjeu lié au recrutement de jurilinguistes. Pour ce qui est des 3 dernières tendances, et je vois que mes 5-6 minutes commencent déjà à tirer à leur fin, eh bien, je me contenterai de dire que ces enjeux liés aux tendances lourdes du recrutement en général ont toute leur place dans le domaine de la jurilinguistique. Donc, ces 3 dernières tendances, l'augmentation, évidemment, des entretiens virtuels pour l'embauche, nous n'avons pas vraiment le choix. De même, le fait qu'au-delà des connaissances professionnelles requises, les connaissances techniques, informatiques deviennent évidemment cruciales, surtout qu'avec des gens plus à l'extérieur, il faut utiliser tout un système de sécurité, etc., qui est très important. Et enfin, et non les moindres, donc les fameux soft skills, comme diraient les Français, donc les compétences non techniques, sont également à l'honneur dans le domaine de la jurilinguistique, c'est-à-dire l'adaptabilité, la curiosité, l'autonomie, le leadership. Bref, c'est certainement un très bref 5-6 minutes pour vous présenter des enjeux aussi importants, mais je suis certain que ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Et donc, je vous remercie de votre écoute. Merci, Monsieur Roussel. Next, we have Caroline Thibault, Director of Justice, Réseau national de formation en justice. Merci Marie-Hélène. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on me demande de vous parler des enjeux de formation en français pour les juristes, donc la formation en français. J'ai décidé de redire, excusez, je voulais partir mon chronomètre parce qu'on a juste quelques minutes puis je ne veux pas dépasser. J'ai décidé de vous parler des enjeux. Je vais les nommer et je ne pouvais pas commencer ma présentation sans vous indiquer que quand même, pour nous les juristes hors Québec, il y a quand même beaucoup de formations en français.
et je me dois quand même de les mentionner rapidement. Une notamment qui est donnée par l'Institut de développement professionnel de langue française, connue sous le nom du FLIP, financé par le ministère de la Justice du Canada. Donc, c'est une semaine de formation en terminologie juridique en français. On fait de la simulation de procès, d'enquête sous caution, donc offert aux juristes, une panoplie donc de professionnels de la justice. Il y a également le Centre canadien de français juridique, le CCFJ, qui offre de la formation en français juridique, en droit de la famille, en droit criminel. Juste pour terminer, un autre exemple, il y en a beaucoup plus que ça, mais il y a notamment aussi notre association, l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, qu'on appelle l'AGFO, qui offre donc de belles brochettes de formation. Et juste dans la dernière année, donc plus de 1000 juristes ou professionnels de la justice ont suivi ces formations-là. Par contre, on me demande de parler des enjeux et je ne peux m'empêcher de parler en termes d'égalité réelle, donc mot-clé qui nous provient de l'arrêt Beaulac. On est loin d'avoir l'équivalent en formation pour les juristes en français comparativement à tout ce qui est offert en anglais. Rappelez-vous, on est dans un contexte minoritaire je dois aussi dire que les enjeux que je vais vous partager proviennent, si vous voulez, de plusieurs années, donc, puisque le Réseau national de formation en justice existe depuis quand même 2013, au fur des années, on a eu la chance d'entendre ces enjeux-là, donc je vais vous les nommer. Ce ne sont pas tous les enjeux. J'en ai choisi 5 à cause du temps qui m'est alloué et j'espère que ça sera être utile. Donc, dans un premier temps, les juristes indiquent un besoin d'avoir accès à plus de formation professionnelle en français, de la formation de qualité et à prix modique. Il y a aussi une demande pour des juristes pour obtenir de la formation professionnelle en français, mais dans tous les domaines. Et ce que je veux dire par là, c'est dans des domaines spécialisés. Donc, on ne parle pas du droit criminel ou des domaines plus, je ne veux pas dire populaires, mais qu'on entend plus souvent. Comme vous savez, les lois changent, les avocats doivent être à jour essentiellement avec tous les changements qui sont faits. Donc, le manque de formation en français pour des domaines plus pointus, si je peux me permettre, pose des défis, crée des enjeux. Dans un troisième temps, on nous indique que les formations professionnelles en français sont rares dans les régions plus rurales. Vous allez me dire, en pandémie, c'est plus un problème à cause de des formations qui sont faites virtuellement. Mais c'était, au cours des années, un des enjeux qui avait été qui est indiqué par les juristes. Quatrièmement, on parle d'une insécurité linguistique et juste le sujet pourrait prendre des jours, des semaines, des années. C'est une problématique qui ne se traite pas dans 5 minutes. Mais de l'insécurité linguistique découle le fait que certains juristes en milieu minoritaire ont des craintes face à plaider en français ou déposer des mémoires en français. Ce qui va faire qu'ils se sentent plus à l'aise ou vont plus souvent choisir l'anglais. Donc, les formations qu'ils vont choisir en bout de ligne sont plus en anglais qu'en français. Et on n'a qu'à penser à notre contexte. Je vais juste vous donner une petite anecdote. On fonctionne en anglais avec nos ordinateurs, nos outils, Windows, c'est en anglais. Avant de débuter mon poste en tant que directrice, j'avais travaillé essentiellement, exclusivement en anglais. Et quand j'ai commencé au réseau, tout était en français. Donc moi, Caroline Thibault, une francophone, ça m'a pris plusieurs semaines à juste me familiariser avec le langage de technique de Windows en français. Et ça paraît anodin. Mais je vous lance le défi de changer votre clavier en français lundi et on s'en reparlera. Donc,
quand même pour ramener le contexte dans lequel les juristes qui pratiquent en situation minoritaire, dans lequel on est. Je vais terminer avec essentiellement la loi de l'offre et la demande. Les juristes nous rappellent que puisqu'il y a généralement plus de formations qui sont offertes en anglais, ça veut automatiquement dire plus de choix pour les dates, plus de sujets qui sont offerts. Donc, on va choisir où il y a une tendance à aller plus vers les formations en anglais, ce qui fait que les formations en français en souffrent. Donc, je vous ai partagé quelques exemples des enjeux soulevés par les juristes qui, en vraiment bout de ligne, veulent avoir plus de formations en français. La demande est là. Et c'est vraiment un besoin qui se fait ressentir et qui est présent. Donc, je ne vois pas ma minuterie, mais je pense que je suis correcte. Donc, merci de votre attention, puis ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci, Caroline. Merci beaucoup, M. Roussel, Mme Thibault, et félicitations, vraiment, le 5 minutes, c'était parfait. On est même un petit peu d'avance, donc c'est vraiment extraordinaire. Nous avons au moins une question dans le Q&A, une question entre autres d'Anthony Fortin qui s'adresse donc, je crois, à M. Roussel. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les clients exigent parfois que le travail soit fait au Canada? M. Roussel, avez-vous une réponse pour Anthony Fortin? J'aimerais avoir une réponse parfaite pour M. Fortin, d'autant que dans le cas d'un client particulier, j'ai essayé 2 fois plutôt qu'une, avec tous les arguments possibles compte tenu de nos 2 excellentes jurylinguistes qui sont à l'extérieur actuellement en raison de la pandémie. Et je n'ai pas réussi à convaincre qu'aujourd'hui, avec les clés de sécurité et qu'un texte, je l'envoie à Montréal ou que je l'envoie à Paris, etc. Donc, il n'y a pas de raison. C'est difficile, c'est tout simplement que le client l'exige et est convaincu qu'il faut que ce travail soit fait au Canada. C'est à peu près tout ce que je peux répondre comme réponse. Et je vais en profiter, les 2 autres questions, je vais juste aller très brièvement parce que c'est sur le même thème. Généralement, chez nous, I'll answer this in English. The question is in English, so I'll give my answer in English. Usually, for those who are working with us, they usually have a background in translation, not only in law. So Mr. Sanchez Roman seems to say that at the European Court, usually they don't need prior translation experience, but usually with us at the CTTJ, people do study in translation and do have some prior translation experience. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roussel. Donc, nous allons passer au second bloc, au troisième bloc. Oui. Merci. Attendez, je suis sortie. Je vais partager à nouveau. Voilà, désolée. OK, on va passer au the third part, language rights. And we will start with Mr. Johnston. Bonjour, hello. Je vais parler dans les 2 langues. Je ne suis pas un grand spécialiste des droits relatifs aux langues autochtones, mais j'occupe depuis 2017 le poste de représentant régional du commissaire aux langues officielles au Nunavut. Et cette fonction m'a amené à être au fait d'une question dont je souhaite vous parler au cours de ces 5 prochaines minutes. Selon moi, cette question se rapporte à la principale difficulté rencontrée par tous les gouvernements dans l'avancement des droits relatifs aux langues autochtones. Mais d'abord, un peu de contexte. En 1969, le Parlement a adopté la loi sur les langues officielles,
qui a fait du français et de l'anglais les deux langues officielles du pays. Cette loi a été modifiée en 1988 et tous les partis de Parlement souhaitent maintenant qu'elle fasse l'objet d'une modernisation beaucoup plus importante. Actuellement, la loi sur les langues officielles soumet aux institutions fédérales des obligations très précises concernant l'utilisation des deux langues officielles. Par contre, la loi sur les langues autochtones, adoptée en 2019, est très différente. Elle vise à promouvoir des langues autochtones, à revitaliser les langues autochtones, mais elle n'oblige aucunement les institutions fédérales à les utiliser comme langue de service ou langue de travail. En 1969, Canada comptait 10 provinces et 2 territoires. Depuis, un troisième territoire, le Nunavut, s'est ajouté. Il s'agit du seul endroit au Canada où la langue de la majorité n'est ni le français ni l'anglais. Nunavut was created in 1999. It's the product of a land claims negotiation that ended with the signing in 1993 of the Nunavut Lands Claim Agreement, trading rights to a claim over territory in return for a public government. In 2008, this new territory of Nunavut passed its own Official Languages Act, applying to territorial government operations. The act recognizes 3 official languages, English, French, and Inuktuk. Inuktuk, by the way, is the term used to describe all languages of the Inuit, the majority languages being Inuktitut, which has 7 dialects in Nunavut. But that wasn't the only language act passed by the government of Nunavut in 2008. It also introduced the Inuit Languages Protections Act, which has been much more controversial. Section 3, which came into force in 2017, sets out an obligation on the federal government to deliver federal services in Nunavut in Inuktuk, not just in English and French. The federal government has refused to comply with Section 3. It says, understandably, that provinces and territories can't impose language obligations on the federal government. However, the Inuit say Nunavut is a special case. They say the federal government conceded to Nunavut in the Lands Claim Agreement of 1993 a right to legislate in the area of language as it deems necessary. In 2018, the Inuit signatory to the Lands Claim Agreement, the Nunavut Tungavut, and the Commissioner of Languages of Nunavut were considering legal action against the federal government. An article in the McGill Law Journal, published in 2013, said the Inuit would win any litigation. Other legal experts I've spoken to said the federal government would win. Some others say they don't know which way a decision in the Court of Nunavut would go. Cependant, en 2019, la menace des poursuites était moins présente et le contexte politique avait changé. Le gouvernement de Nunavut éprouvait de la difficulté à remplir ses propres obligations prévues par la loi sur la protection de la langue Inuit, soit élargir l'instruction en langue Inuit de la troisième année, offerte depuis 2008, jusqu'en 12e année, avant 2019. L'Assemblée législative a adopté un projet de loi en 2019 afin de suspendre cette obligation. Et une nouvelle loi, adoptée en novembre 2020, reporte jusqu'en 2039 l'application des droits à l'instruction en langue Inuit. Le problème, tant pour le gouvernement fédéral que pour celui de Nunavut, réside sans contredit dans la capacité. Le territoire ne compte que 6 000 personnes en âge de travailler. Le bassin des candidats Inuits qualifiés pour occuper un emploi d'enseignant ou une poste dans
l'administration publique est donc restreint. Et il est difficile aussi de trouver des non-Inuits qui maîtrisent Inuktuk. In summary, they say often, and it's a cliche, ignorance of the law is no excuse for breaking the law. But in Nunavut, the problem has never been in ignorance, it's been capacity. Improving capacity is the most important challenge all governments are going to face in advancing Indigenous language rights. The new Federal Indigenous Languages Act implicitly acknowledges this in a very cautionary fashion, for it limits the right of Indigenous peoples to receive federal services in Indigenous languages to the capacity of the federal government to do so. Merci, thank you. Merci, Monsieur Johnston. Next, we have Donald Nichols, who will be telling us about the issues surrounding Indigenous languages in courts in Canada. Okay, very good. So it's very interesting to hear the speaker before me, because in the Cree situation, it's completely different. In 1975, we signed the James Bay and Northern Quebec Agreement with a tripartite agreement, which was the first comprehensive land claims agreement in Quebec. We signed it with the federal government and the provincial government. And in that, in section 18, it gave very clear linguistic rights to Cree that were appearing before courts to be charged and to be have their trials heard and to have the disposition of their trials given to them in the Cree language, and that all the works of the court and the criminal justice system, as well as corrections, could be would have to respect Cree culture, traditions, and ways. So in 1975, that was the agreement between the three governments. And then along in 1982 came the Canadian Constitution, which was section 25 and 35 constitutionally entrenched any agreements or rights, and therefore those rights became entrenched. Now we speed along and we go, well, what happened after that? Well, at the time, as you know, with the division of powers under the Canadian Constitution Act, the provinces are tasked with the administration of justice. And therefore, they started, they were the ones to, given the responsibility to provide translators or interpretation in the Cree language within the court system. At the time, my department didn't exist. So there we go. So they started providing it with the signing of the James Bay Northern Quebec Agreement as the courts came north. And then we come along to various evolutions in the relationship until, you know, 2002, and we start looking at the Pata Brav, and then by 2007 we sign a new justice agreement, and even then still anything part of that provision was anything that remained or that was a part of the rights that were in the 75 agreement would continue to be there. So actually translation still rests with the courts. So the judicial district in our region, the Abitibi district, is the one that actually hires our translators. So we started in 2007 our department, and one of the first tasks we looked at is that we had complaints that the language within court was not clear, that what the judge and what the prosecutors and what others were saying was not necessarily what was being translated to the individual and vice versa, right? And so, and we didn't even have a word for guilty. So the closest was something to do with confused. And so if you put someone in front of a court in a different language and you ask them, are you confused right now? Well, yeah, you are, right? So for us, fairness and the fairness of the system, of the whole judicial system, rested on the fact that language has to be very clear and the terminology and the processes have to be clear. So I embarked on a campaign where I hired a number of dialect experts from, we have three dialects in the Cree Nation, a number of dialect experts to create a legal glossary, a glossary of legal terms, so that we could make that more clear. And then of course I have to put it into the schools. So that was
about 600, 700 page glossary just trying to explain the terminology that's used in court so people can understand and can get a fair judicial process. So at the same time, we decided to go into the prisons and we did a profile of what the average prisoner or person that was coming into contact with the law was, the indigenous one, and the majority of them did not have a functional level of French or English. And so we found that when they were being assessed for security levels and for the type of programming or treatment they would receive in prisons, they were being assessed by professionals speaking majority of the time in French. And they would ask them questions. And when they didn't respond, they would just put them at maximum security level and not put any sort of type of programming for them to benefit them. So no rehabilitation, no sort of reintegration type stuff. So we looked at that and we said, well, they don't have a functional level. The system is not adjusted to it. So then our first task was to hire a number of people that could be there. And then eventually we had a Cree psychologist that speaks five languages fluently. And she was able to go in there and make sure we could correct that. So at least people were being treated more fairly by the system in when they were being assessed on risk level and everything else. So we kind of looked at that and we said, well, there's a problem still in the court language. We have to make sure that it's clear that what is being asked of the individual so that they can respond correctly and then the system can be fair or judicial. And then we looked at their treatment when they were being security-wise. And we said, well, okay, well, we have to make sure that they're understanding. And then we had to go around and we had to advocate for them because a lot of their needs. And then we had to make correctional reintegration plans for them to come back to the communities, working often in three different languages to try and make sure that the system somehow had some sort of integrity or with it. So for us, language is very key because it has led to a lot of issues where when you look at overrepresentation, right? And we know that because of COVID, that with the indigenous population and that almost all districts within the country, 42% of those that are in preventative or remand custody were no longer put in there and absolutely nothing happened. So then we look and we say, well, look at this overrepresentation and all these people, the indigenous people that we're sending into prisons and going through the court system, and suddenly, and it turns out that we didn't even have to incarcerate 42% of them anyway. And you look at Ontario and you look at BC and you look at Quebec, nothing really happened with those people being released within their own communities and awaiting their trial dates. So we kind of look at that and say, well, okay, so what are we doing wrong within this system? For sure, the system has been disproportionately adverse to Indigenous populations because of the language issue and the barriers there. And the way that the system didn't try and fix that. So when we came in, we had to put people in the courtroom with them. So we have someone sitting with the offender and talking to them about the process in Cree. We have a translator sitting with the judge in the Crown. Then we have another one sitting with the victim support unit that's Cree, that's usually trilingual. And so we had to make sure that if there's any sort of, if we want to say that there's justice occurring, that there has to be that translation or support there. So come COVID and everything is online, we go, well, now what can we do? And so now with this one, sometimes when we're in more serious offenses and they're trying to do cross-examination over video hearings, some of the offenders are saying, I really don't understand what's going on, even though there's a translator sitting there online and trying to explain things, it's not the same as having that support with them and taking them through the process. So even then, right now, it's offered by the courts, but because that language barrier was so negative to impact Indigenous people going through any part of the system, now with COVID, it's exasperated a little bit and we're trying to adjust for it, but there still seems to be some lags in the system that aren't to the benefit of the individual that may be there. So for us, we work at that constantly and we try and adjust and we try and make sure, and we use technology. We invested, when we first built our courthouses, we invested a couple of $1 million in state-of-the-art fiber optic video conferencing equipment because we believed access to justice was important. And we believe that
just moving Indigenous people out of the community so they can sit in remand or preventative custody in southern jails and locations was no solution. That a lot of these offenses could have been handled locally by the community. So we created community justice tribunals where we take a portion, a very large portion of cases that would normally go to the court, and we do it in the Cree language, and we do it with Cree ways. And as long as they're resolved within a reasonable time to still follow Jordan's rule about the timeline, then we're okay. And so we've been implementing more and more Indigenous tribunals to make sure that we could at least provide some justice within the Cree language and do it in a way that more people don't have to go away and be traumatized by an experience that's just not in their favor. Thank you very much. Fascinating. Next, we are moving across the country, still talking about court interpreting, but in non-official languages with Karine Reynold. All right. Good afternoon. Bonjour à tous. So this event is about the different challenges and realities in legal translation and interpreting. And I'd like to give you a very brief overview of the landscape here on the West Coast in BC. So as you can see, I compiled a few statistics, and you can see that our professional association, the Society of Translators and Interpreters in British Columbia, has quite a robust membership base. So 368 certified members. There are for certified translators and certified court interpreters, of which we have 82. These 82 court interpreters are working for court services under the Ministry of the Attorney General. So, and court services has introduced a new system about 3 years ago, where they went away from interpreters being accredited to having a level system. So the different levels, level one, are then the STBIC certified court interpreters, and there are 82. And then level two and level three interpreters are professionally qualified or language skilled interpreters. And then there's also level four is for bilingual individuals in rarer language combinations. So when you look at the number of languages offered in court, they are about 78 language combinations. And cases requiring court interpreters in the 2018-2019 fiscal year were about 6,200. So court interpreters here can keep quite busy depending on the language combinations, of course. Languages most in demand here in BC are, and this is in no particular order, Chinese, Arabic, Spanish, Farsi, French, Japanese, Korean, Russian, Punjabi, and Vietnamese. I've heard from court services, and this may be of interest to the French graduates of the McGill program, that we are very much in demand of French court interpreters. There are currently only 5 court interpreters out here in BC, certified with STBIC. There are quite a few translators though. So 40 English-French translators and about 15 French-English translators. Altogether, STBIC certifies in approximately 35 language combinations. So as you can see, the demand out here is definitely a given. And so on a very positive note, the level one court interpreters make about double of what their counterparts make in Ontario. And this is a very positive development in our struggle here to improve the working conditions, the professional image, and the remuneration to really reflect what we are worth as professionals. As all of you know who are working in this field,
it really takes more than knowing two languages to be able to tangle as a professional translator and interpreter. So these were some of the realities, but coming to the challenges, and the main challenge, of course, is training, or better, the lack of training opportunities here in BC. Unfortunately, none of our universities here offer a bachelor or master's program, and there is very limited bilingual training available. We have one excellent program at Simon Fraser University in continuing studies that offers a certificate and a diploma program in translation, legal translation and interpreting. But that's about it at the moment. There are a few private institutions out there, private language schools and colleges that are trying to offer and put together programs, but they are more on a workshop level. They are not a training program that really leads to a certification or a diploma. So there are a lot of holes to fill, and I'm eyeing really the provinces back east with envy for their degree programs, most notably at McGill or York or Ottawa School of Translation and Interpreting. The lack here, and the previous speakers alluded to that already, I mean, our constitution under the Charter of Rights and Freedoms, everybody in court who does not speak one of the official languages is entitled to an interpreter. So how are we going to move forward if we don't provide proper training? We used to have a flagship program that I was coordinating until it was discontinued at Vancouver Community College. And that was very well received all over Canada. It was a fantastic program. For whatever reason, it was discontinued in 2012. And nothing's come up since then that would really fill this void on the market here in BC. So the lack of training that I've described should make all of us involved reflect on what we can do, how we can persuade key players, stakeholders, etc., to invest in some quality programs all over Canada and to continue to educate the public and to advocate about our profession. So, and this training cannot only focus on the official languages, it has to focus on languages of lesser diffusion and on languages which are nevertheless in high demand because of our composition of people in our country, because of our multicultural society. So, I'll come to an end with that and leave this with you, maybe to reflect on this a little bit of how we can all move this forward in the right direction. Thank you very much. Merci. Thank you, Karen. Last person of this, sorry about that. I keep on. Okay, last person of this third block is Monsieur Bossé. He'll be telling us about the constitutional issues facing official language minorities communities. Monsieur Bossé. Ben, bonjour, merci. Je me présente, Darius Bossé. Je suis avocat chez Jurist Power. C'est un petit cabinet. On se spécialise là en droit constitutionnel. Je fais beaucoup de droit linguistique. Ça m'occupe essentiellement à temps plein. J'aimerais remercier l'Institut et le Centre là, pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui et de parler de quelque chose qui me passionne, là, les droits linguistiques. Je vais présenter en français, mais ça me fait plaisir. I'm happy to answer questions in English later. On m'a demandé la question, quels sont les enjeux constitutionnels pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire? Et puis, ça fait sourire parce que c'est immense comme question.
Et donc, j'ai travaillé à concentrer, disons, la question. Je me suis dit, bien, alors je vais me limiter aujourd'hui à la question du droit à l'instruction dans la langue de la minorité. Puis la logique étant, il n'y aura pas lieu d'avoir de jury linguistique si personne parle une langue. Et puis, bien, pour que les gens parlent cette langue-là, bien évidemment, il faut être instruit dans cette langue-là. Alors, je vais me concentrer aujourd'hui sur les enjeux constitutionnels relatifs au droit à l'instruction dans la langue de la minorité. Donc, juste un peu de contexte historique pour parler. Moi, je vais surtout nous apporter à quels sont les enjeux à venir, mais il y a un peu de contexte historique qui est nécessaire. C'est important de savoir que les gouvernements provinciaux de partout au Canada ont à un certain moment dans l'histoire limité et souvent même interdit à la communauté de langue officielle en situation minoritaire, donc soit anglophone au Québec ou francophone française, d'expression française ailleurs au Canada. Les gouvernements provinciaux là, partout ont limité en fait l'accès à l'instruction dans la langue de la minorité dans essentiellement toutes les provinces. Et puis, c'est pour remédier à ce problème-là que le Constituant adopte en 1982 l'article 23 de la Charte. Bon, c'est quoi l'article 23 de la Charte? Très brièvement, c'est la disposition de la Charte qui donne le droit à l'instruction primaire et secondaire dans la langue de la minorité et puis que cette instruction-là soit financée par l'État. Ce droit-là est conféré à trois catégories de citoyens canadiens, mais je saute là, les détails à cet égard, les concernant la mécanique, disons, de l'article 23. Ce qui est important pour nos fins aujourd'hui, c'est que ça garantit dans la Constitution aux minorités linguistiques le droit d'instruire leurs enfants dans leur langue. Donc, un des premiers combats juridiques que les communautés de langue officielle en situation minoritaire ont dû mener, c'était celui de revendiquer, en fait, la gestion et le contrôle des institutions qui offrent justement cette programmation, cette éducation en français à l'extérieur du Québec et en anglais au Québec. Puis la Cour suprême du Canada a confirmé effectivement que les communautés de langue officielle en situation minoritaire possèdent effectivement le droit de gérer et de contrôler l'instruction dans leur langue. La Cour explique que la disposition en fait a un objet réparateur, c'est-à-dire qu'elle vise à favoriser l'épanouissement des minorités linguistiques officielles et à modifier le statu quo auquel je fais référence, cette idée que toutes les provinces ont essentiellement, à un certain moment donné, limité l'accès, le droit là, de ces communautés-là d'instruire leurs enfants dans leur propre langue. Et puis, bien, ce statu quo a effectivement été modifié. Il y a maintenant, aujourd'hui, là, plus de 700 écoles de langue française à l'extérieur du Québec qui accueillent plus de 175 000 élèves qui sont instruits maintenant en français à l'extérieur du Québec. Donc, considérant que l'enseignement était interdit là, dans plusieurs provinces et territoires jusqu'aux années 70, un peu plus de 10 ans avant l'adoption de la Charte, c'est quand même phénoménal l'impact que cette disposition-là a eu sur le Canada. Les communautés ont également revendiqué le droit à l'égalité réelle, ce que la Cour suprême a confirmé. Donc, essentiellement, la Cour a expliqué que l'instruction à laquelle les minorités linguistiques ont droit doit être de qualité qui est réellement équivalente à celle que les membres de la majorité linguistique dans ces provinces-là reçoivent. Donc ça, c'est selon moi le portrait le plus bref au sujet de l'article 23. Donc là, je veux nous apporter, bon, mais qu'est-ce qui s'en vient? Où est-ce qu'on s'en va, l'article 23, s'il y a plein de questions qui se posent encore. Donc, par exemple, la consultation. Est-ce que les gouvernements doivent consulter les conseils scolaires de la minorité linguistique lorsqu'ils prennent des décisions susceptibles d'avoir un impact sur leurs droits constitutionnels? Par exemple, la gestion et le contrôle de la programmation. J'ai vu plus tôt là, le professeur Roussel est ici. Le professeur Roussel a justement écrit un texte à cet égard, suggérant que oui, il y a effectivement une composante à l'intérieur de l'article 23, c'est la consultation. Par contre, ça, bien qu'il y a des indices, des indicateurs dans la jurisprudence, ça n'a pas été confirmé concrètement, disons. Une autre question qui se pose maintenant, c'est le rôle du gouvernement fédéral, en fait, en matière d'éducation dans la langue de la minorité. À l'intérieur de ces champs de compétences, évidemment, l'éducation, c'est une compétence provinciale. Par contre, prenons juste un exemple,
lorsqu'il aliène des biens immobiliers, le gouvernement fédéral doit-il offrir ou consulter les conseils scolaires pour leur permettre d'accéder, d'acheter ces biens immobiliers-là? Dans certaines régions du pays, à Vancouver par exemple, le conseil scolaire là-bas cherche des terrains à certains endroits depuis plus de 15 ans. Il y a une inaccessibilité de terrain au centre-ville de Vancouver. Et donc, est-ce que le gouvernement fédéral a un rôle à jouer justement dans la mise en œuvre de l'article 23? Une autre question que la COVID-19 en fait a précipitée, c'est la question de l'offre d'instruction à distance. Donc, est-ce que les conseils scolaires de la minorité vont devoir se chamailler avec les gouvernements là aussi? Est-ce qu'ils vont pouvoir tout simplement offrir l'instruction à distance, la gérer, la contrôler comme la charte, comme la charte le confirme? Ou est-ce que les gouvernements vont mandater un autre organisme qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas représentatif de la minorité linguistique pour offrir l'instruction à distance? Ça se passe en ce moment en Ontario. Là, le gouvernement de Doug Ford a mandaté TFO, un organisme qui n'est pas un conseil scolaire, d'offrir une certaine instruction à distance. Donc, la question se pose. Puis là, je vois que mon temps est épuisé, donc je vais juste clore sur une autre question qui se pose maintenant, notamment en Alberta en ce moment. Mais à quel point est-ce que l'article 23 a un impact au-delà du niveau primaire et secondaire? Donc, la Cour suprême du Canada a confirmé récemment que le droit à l'instruction en français est mal mis en œuvre si, par exemple, on n'a pas les ressources pour le mettre en œuvre, puis que ces ressources-là, ça inclut notamment des enseignants. On ne peut pas enseigner aux enfants qui ont des droits d'être instruits en français sans enseignants qui sont capables d'offrir cette instruction-là. Donc, alors, est-ce que, par exemple, la programmation universitaire qui forme les enseignants, est-ce qu'il y a une certaine protection là en vertu de l'article 23? Cette question est maintenant devant les tribunaux, puis on aura la réponse prochainement. Là. Donc, merci. J'ai bien hâte de discuter avec vous. Merci, M. Bossé. Thanks so much to all of our panelists. We have quite a few questions in the Q&A, and I see that many of our panelists have been very generous and busy in responding to some of those questions in writing. There was one particular question. I think Mr. Nichols has already answered it in writing, but I was wondering if he would be kind enough to share the answer that he gave to Humda Tahir, who asked the following question. So what is the relationship between indigenous language rights not being protected and the overrepresentation of indigenous peoples in the criminal justice system? So Mr. Nichols, if you would like to answer that question. Yes, I can. And I just alluded to one example. So when I was a law student and I was out in the prairies, I won't say which province, but we were in court and there was an indigenous accused that was there, and the judge kept on asking him with no translation if he was guilty, and he kept on responding in Cree that he couldn't understand and he didn't know what was happening. And so then because I was there with other people, we offered to go over and translate to let him know what it was that was being asked. And the judge said, if you go towards him and talk to him in one way, you'll be held in contempt of court. And then he looked at the individual and started nodding his head and said, just nod your head like this. And the individual nodded his head and he said, they're guilty. And now I'm going to sentence you. So, you know what I mean? That was just one example. There are other examples of individuals that have that haven't fared well because of their lack of understanding of what's happening around them, because they can't speak the language and it's not being communicated well with them. So yeah, that was just my brief answer to that question. Thank you very much, Mr. Nichols. We have a few more minutes. I think, Darius, il y a une question de Sophie Audrey de Zoutel. J'ai l'impression qu'elle s'adresse à toi. Est-ce que tu voudrais y répondre sur l'application de la Charte au droit à l'éducation postsecondaire dans sa langue?
Alors, la question s'est posée à l'époque en 82. Je pense que c'est juste que le constituant à l'époque n'était pas prêt à aller là, à étendre l'étendue, justement, la portée de l'article 23 jusqu'au poste secondaire. Par contre, si je peux développer sur l'argument que je vous ai présenté un peu, on sait dans la jurisprudence que lorsque quelque chose est nécessaire pour la mise en œuvre d'un droit, il est accessoirement protégé par ce droit-là. Alors, comme je disais plus tôt, tous les professionnels scolaires qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'article 23, donc l'offre d'instruction en français à l'extérieur du Québec et en anglais au Québec, tous ces professionnels-là sont formés dans des universités et dans des collèges. Alors, si, et puis en ce moment, il y a une grave pénurie, justement, d'enseignants. On parle de presque 1000 enseignants en pénurie en Ontario seulement. Alors, la question qui se pose dorénavant, c'est à quel point est-ce que, justement, l'obligation positive qui est contenue dans l'article 23 de la Charte impose au gouvernement provincial l'obligation positive de financer, justement, l'offre d'instruction postsecondaire pour former ces professionnels-là. Merci beaucoup, Darius, et merci beaucoup à tous nos panélistes pour ce bloc-ci. Nous avons un peu d'avance, mais nous allons tout de suite prendre une pause de 10 minutes. C'est donc un rendez-vous à 14h44, heure de Montréal. Merci beaucoup. À tout de suite.
Jennifer, est-ce que tu es revenue pour qu'on puisse commencer? Oui. Oui? OK. All right, so welcome back. We will carry on with the fourth block. We have five blocks, if you remember well. The fourth block is concerns access to justice, and we'll start with Jennifer Douin, who will be telling us about issues surrounding access to legal information in English in a French province. So I'm going to talk about issues with access to legal information in English in Quebec. At Educa Loi, where we translate and adapt our legal information from French to English, and we also create content specifically for English-speaking communities in Quebec, we've identified three main issues with access to legal information in English. First, keywords used in everyday language and the media. Second, legal information that is only available in French. And third, English speakers' poor perception of Quebec's legal system. So first, keywords in circulation in everyday language and the media are different among French speakers and English speakers. This means that English speakers don't always know what keywords to search to find the legal information they need. For example, from the list of top 100 articles consulted on the French half of Educa Loi's website between June and December 2020, various articles about La Mise en Demeure ranked in positions 3, 13, and 24 as most consulted. However, on the English half of our website, articles on demand letters ranked in positions 76 and 80. It's possible to attribute this difference to the fact that the expression demand letter is not commonly used in English, whereas the expression mise en demeure is often used in French media. The user can't find information without knowing what keywords to search. At Educa Loi, we've tried to remedy problems like this as much as possible by adding English keywords borrowed from common law provinces for the purpose of search engine optimization, or SEO, to increase the chances that English speakers find what they're looking for. We do this because we know that English-speaking Quebecers are heavily influenced by English media from outside Quebec. Hence, they are more familiar with common law vocabulary. For example, even though Book 3 of the Code Civil du Québec on successions uses the term liquidator in English, we put the common law term executor in parentheses afterwards, which is then captured by users searching on Google for information about estates. Second, access to justice is limited by some public and parapublic organizations only publishing their information in French. This is the case with the CNESST, or the Commission des Normes de l'Équité, de la Santé et de la Sécurité au Travail, whose English website has far less content than its French site. It's also sometimes the case with the government of Quebec, which generally translates the content on its website, but doesn't necessarily publish the English content at the same time as the French, producing an information time lag. At Educa Loi, we try to remedy this situation with clear, accessible, plain language documents published in both languages, often in mirror versions. For example, to fill the gaps on the CNESST's English website, we offer several articles on labor and employment law in plain language. For information published by the Quebec government, we offer our own translation from French to English. Through our regular updating process, we revise our translations as needed, which sometimes involves updating a translation to line up with a newly available translation by the government to make sure we catch the keywords being used in the media. For example, we discovered that the government decided to translate maltraitance as maltreatment rather than mistreatment. Third, English speakers have a poor perception of Quebec's legal system, have a poorer perception of Quebec's legal system than French speakers do, precisely because of the language barrier just mentioned and their difficulty in accessing legal information. In 2013, and again in 2018, Educa Loi had CROP,
conduct a survey about Quebec's English-speaking communities in order to sound out their perceptions of Quebec's legal system and their needs. We found that 61% of French speakers have a very or somewhat good perception of the legal system, while only 48% of English speakers do. French speakers are also more aware of various legal information resources than English speakers are. Ease of access to legal information remains the number one issue for English speakers who are polled. Because they are sometimes forced to consult resources in French, they prefer to do so in person rather than finding information online. And the top four legal topics that English speakers want to learn about are healthcare, consumer rights, wills and estates, and language rights. As a result of the poll data, Educolua tried to focus on producing legal information on those topics and reaching out to English speakers via in-person workshops. In conclusion, ensuring access to legal information in Quebec in English requires an awareness of the information ecosystem. To meet the legal information needs of English-speaking Quebecers, we must be attentive to discrepancies among keywords in circulation in the community and in the media, to the quantity and the quality of information published in English compared to what is published in French, and to how English-speaking Quebecers perceive the legal system and the resources available to them. Thank you. Thank you, Jennifer. Ensuite, next, well, we'll move to another province, another context, the opposite context. We have Étienne Vuillaume from Newfoundland, the Francophone Justice Network in Newfoundland and Labrador, who will be telling us about the issues surrounding access to legal information in French in an Anglophone province. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Oui. OK, parfaitement. Oui, merci pour l'invitation. Je suis très heureux et j'apprécie vraiment toutes les présentations de tout le monde. Ça donne un éclairage vraiment global, vraiment très intéressant. Donc, je vous parle aujourd'hui d'un point de vue de minorité, comme mon intervenante auparavant, mais d'un point de vue français. So I will be glad to answer any questions in English, but my presentation will be in French. Donc, je travaille pour le réseau justice en français à Terre-Neuve-et-Labrador, et on m'a demandé d'intervenir sur les questions d'accès à la justice en français. Les francophones à Terre-Neuve-et-Labrador se composent d'Acadiens, de Français venus de Saint-Pierre-et-Miquelon, venus de France, et également de Québécois. Ce contexte, dans une province anglophone, rend la compréhension de la justice très compliquée pour des francophones. Nous ne sommes pas beaucoup, nous sommes à peu près 800 éparpillés dans 5 communautés, c'est-à-dire ça fait 5 fois 800, 4000 à peu près francophones, éparpillés à travers la province. Donc on n'est pas relié puisque Terre-Neuve est une île avec le Labrador, et on a des communautés francophones très éloignées les unes des autres. Ça, c'est une première spécificité. Donc l'accès à la justice, déjà d'un point de vue géographique, est difficile. D'un point de vue culturel, c'est encore plus difficile. Pourquoi ? Parce que la province de Terre-Neuve-et-Labrador est l'une des plus anciennes en termes de tradition juridique coutumière. La tradition juridique coutumière, la common law, est très mal connue par les francophones. C'est une logique de l'histoire qui échappe aux francophones. Pour les francophones, la plupart du temps, il y a des règles à suivre. Et si on ne les suit pas, eh bien, on est on n'est pas dans notre droit. Les anglo-saxons, en tout cas à Terre-Neuve, ne fonctionnent pas comme ça. Pour eux, c'est l'histoire et on a d'abord le droit de tout faire, sauf si c'est expliqué différemment. Donc, ça donne une notion qui est difficile à faire comprendre à des francophones. Comme ils la comprennent mal, la loi, les francophones hésitent à saisir la loi, à saisir la juridiction, à saisir, à faire reconnaître leurs droits. C'est pour ça que l'importance de la jurilinguistique est majeure dans des provinces anglo-saxonnes, en particulier à Terre-Neuve. Donc, je vais vous donner un exemple qui a été tout récent.
qui date de juin 2019. Le Centre de traduction et terminologie juridique de Moncton, Serge Roussen intervenait tout à l'heure, m'a demandé, dès que j'ai commencé à travailler pour ce réseau-là, d'aborder la cour d'appel, la juge en chef de la cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador, et de lui demander si elle voulait participer à la traduction des jugements les plus importants de Terre-Neuve de ces 10 dernières années. Ça a été une initiative extrêmement bien accueillie par la cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador, pour qui, enfin, elle allait pouvoir faire comprendre la logique des jugements de la province en français. Je ne vous raconte pas d'histoire, je pense que j'ai commencé à discuter avec elle en mai 2019. En juin, on avait déjà 19 jugements qui étaient proposés au Centre de terminologie et de traduction de terminologie à Moncton. Trois ont été traduits en 2020, il y en a 8 qui vont être traduits en 2021 et les autres le seront d'ici 2024. Alors, vous avez sur l'écran qui est en face de vous un petit schéma. Donc ça, c'était l'étape 1. L'étape 2, ça a été la sélection des 19 décisions dont je vais aborder certaines décisions dans ma présentation. L'étape 3 a été faite par le CTTJ et l'étape 4, c'est la réutilisation de cette traduction au sein de la communauté juridique à Terre-Neuve. Et vous allez voir que cette étape 4 est très importante, très importante. Pourquoi ? Parce que parmi ces 19 jugements, la juge en chef de la cour d'appel de Terre-Neuve a par exemple choisi un jugement qui s'appelle Babstock contre la Société des Loteries Atlantiques. Alors, ça a fait la une des journaux à un moment donné en juillet 2020, mais tout le monde était en période de pandémie et on ne se rendait pas compte peut-être de ce jugement de la Cour suprême. Mais la Cour suprême a cassé le jugement de la Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador qui avait validé, elle, le raisonnement du premier juge, le juge de la Cour supérieure. Ça a été, on ne va pas dire un traumatisme parce qu'on s'en remet, mais c'est un très bon exemple de l'influence du droit coutumier à Terre-Neuve. Parce que pour rendre cette décision sur la Société des Loteries de l'Atlantique, c'était pour des jeux vidéo qui ont été introduits dans les hôtels, etc. Et il y a des Terre-Neuviens qui ont attaqué parce qu'ils avaient eu un préjudice, parce qu'ils étaient devenus dépendants. Bon, je ne suis pas juriste et je ne vais pas revenir sur la décision. Toujours est-il que la Cour d'appel de Terre-Neuve avait validé le raisonnement d'aller chercher des similitudes, puisque c'est le raisonnement traditionnel à Terre-Neuve, d'aller chercher des similitudes dans la jurisprudence. Donc, les juges avaient trouvé des similitudes dans un jugement de Québec de 1920. Lequel jugement de Québec faisait référence à un jugement de France de 1800, je ne vais pas vous dire de bêtises, de 1882, sur le jeu du Bonneteau, où on disait que le jeu des gobelets, c'est similaire à du jeu vidéo, à du jeu de loterie vidéo. Bon, la juge de la Cour suprême a cassé ça en disant vous n'êtes pas, vous, en tant que juge, supposé faire de l'interprétation de la loi. C'est le législateur de l'affaire en matière de common law. Et ça, c'est un électrochoc pour la magistrature à Terre-Neuve. Donc, c'est pour vous donner un exemple, parmi ces jugements qui vont être traduits en français, de l'importance pour la communauté juridique terre-neuvienne de comprendre la logique canadienne du droit. Et en particulier, de faire comprendre aux francophones que, entre guillemets, ils ne sont pas tout seuls à comprendre la loi comme on n'est pas tout le temps dans l'interprétation. Il y a des règles à suivre, il y a des règles à ne pas suivre. Donc, c'est pour vous donner un exemple que ce projet qui a été mis en place par le Centre de traduction et juridique est extrêmement, extrêmement important pour les minorités francophones à Terre-Neuve. Parce qu'en tant que francophone, on n'a absolument pas la capacité de faire comprendre à la magistrature à Terre-Neuve que les francophones ne fonctionnent pas comme les anglo-saxons sur plein de domaines. Donc, si on veut pouvoir donner accès à la justice en français dans une province à majorité anglo-saxonne, il faut aussi faire œuvre de pédagogie au sein de la communauté juridique. Donc, ce genre d'exemple avec une Cour suprême qui remet en cause des jugements, des logiques de jugement
d'interprétation en matière criminelle, par exemple, à Terre-Neuve, est extrêmement important. Donc, il faut les traduire en français. Il faut que cette logique qui a été abordée par la Cour d'appel de Terre-Neuve soit expliquée en français pour que les francophones saisissent à la fois la manière de comprendre la manière de raisonner de la magistrature et à la fois de pouvoir faire valoir leurs droits, à dire mais on n'est pas tout seul, on est d'accord avec des jugements de la Cour supérieure du Canada dans la logique d'interprétation où vous ne devez pas tout le temps interpréter. Il y a des règles au Canada où la loi, c'est d'abord le Parlement qui l'a fait. Donc voilà, je voulais donner cet exemple pour vous montrer à quel point c'est important d'avoir ce genre d'initiative par les jurys linguistes de penser à faire connaître dans une langue des minorités du Canada les jugements de la majorité. C'est extrêmement important et la juge en chef de la Cour d'appel m'a envoyé un mail quand je lui ai un courriel pour bien parler. Lorsque les premiers jugements ont été traduits, j'ai reçu un message de la juge en chef en me disant à quel point elle m'a remercié pour cette opportunité qui était faite à la Cour d'appel de pouvoir se faire comprendre par les francophones. Il faut vraiment comprendre cette logique de l'histoire. Pour reprendre ce jugement, il y a l'acte le Statute of Anne de 1710 qui était invoqué dans le jugement. Donc c'est pour vous dire que l'histoire du droit est extrêmement présente dans une province comme Terre-Neuve, qui est l'une des plus traditionnelles au Canada. Voilà, je ne sais pas si j'ai respecté le temps de parole. I'll be glad to. Merci Étienne. On passe maintenant à la dernière personne de ce bloc, M. Boursier. Alors, on se déplace maintenant à l'autre bout du Canada, dans les territoires. Et M. Boursier va aborder la question des... Oh, c'est pas le bon titre ici. Alors, c'est les enjeux du bilinguisme dans les territoires. Désolée pour ce petit problème ici. Il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je vais commencer par les quelques statistiques que je vous ai données. Vous pouvez voir l'augmentation des volumes traduits par le gouvernement du Yukon. La nouvelle attitude de la plupart des gouvernements est d'aller vers une très grande transparence. Donc, les gouvernements publient de plus en plus, rendent de plus en plus d'informations disponibles. Et sur les services de traduction gouvernementaux, comme celui de la Direction des services en français, on se rend compte énormément de cette augmentation-là. Ce que le tableau ne rend pas bien, c'est la rapidité avec laquelle on doit maintenant être capable de donner les traductions. Les délais sont de plus en plus courts, il faut être capable d'envoyer les traductions de plus en plus rapidement, ce qui a obligé la Direction des services en français à revoir ses façons de faire. Et maintenant, on va aller beaucoup plus vers le contrôle de la qualité avec notre équipe de traducteurs-réviseurs internes. On essaie de déterminer une voie unique pour le gouvernement du Yukon en français. Et ça implique qu'on va faire beaucoup plus appel pour les premières traductions à des pigistes et bien sûr à la traduction neuronale. De façon générale, sur le principe de co-rédaction juridique, la direction des services en français n'est pas impliquée dans la traduction juridique. Il y a des gens, des co-rédacteurs bilingues au ministère de la Justice qui s'occupent de ça. Malheureusement ou heureusement, dans la dernière année, on s'est rendu compte qu'il y avait une difficulté avec ça parce qu'au mois de mars, on s'est retrouvé en situation de pandémie. Et ça a remis beaucoup de choses en question parce que là, il était question d'aller beaucoup plus rapidement. Le gouvernement s'est mis à gouverner à partir de décrets et de directives ministérielles. Donc, ces documents légaux-là devaient être traduits. Donc, le ministère de la Justice nous a demandé d'en faire beaucoup plus. Et ça a soulevé la question, justement, la distinction entre la co-rédaction, où là, on ferait les deux langues en même temps, et l'aspect de traduction
à quel moment est-ce qu'on va faire intervenir des équipes de traduction pour être capable de faire la traduction de certains des instruments utilisés. Donc, ça nous a amené à avoir de plus grandes discussions avec le ministère de la Justice pour savoir où se trouvait cette distinction-là, où est-ce qu'on allait mettre la différence entre ce qui est du domaine juridique qui relève de la co-rédaction et ce qui va être plus spécifique à la traduction et est-ce qu'il y a un besoin pour des services de traduction comme le nôtre, de se spécialiser, d'être capable d'offrir plus de capacités en traduction juridique. Donc, cette question-là, elle est ouverte. C'est vraiment un dialogue avec le ministère de la Justice. Jusqu'à maintenant, il y a certaines pistes de réponse qui sont intéressantes. Donc, la première, c'est vraiment de faire un partage des outils utilisés par le ministère de la Justice et par la direction des services en français. Où là, on va utiliser les mêmes instruments, on va essayer de fonctionner les mêmes outils, on va essayer de standardiser un peu nos pratiques pour être capable d'avoir un meilleur arrimage. Cet arrimage-là est important parce que la traduction neuronale, bien sûr, dépend des mémoires de traduction et des bases de données terminologiques. Donc, ça va être très important d'être capable de faire cet arrimage-là. Bien sûr, l'arrimage en aval, au moment où les textes juridiques sont établis, c'est pas trop compliqué, les textes juridiques sont publics, on y a accès. Mais la question se pose si, en amont, il ne devrait pas y avoir plus de discussions. Ou là, à l'intérieur de la discussion, même au moment où les ministères identifient des besoins législatifs, s'il ne devrait pas y avoir une discussion au niveau de la terminologie qui va être importante au moment de communiquer avec le public. Donc, ça, c'est un autre aspect qui est très important. On doit aussi se demander sur quelle base est-ce qu'on va établir cette distinction-là. Par exemple, est-ce que ça va être une question de document? Donc, les lois, les règlements, ça, c'est vraiment du domaine juridique. C'est à cet endroit-là que la co-rédaction va se faire. Et ailleurs, au moment d'en faire la diffusion publique, bien, à ce moment-là, ce sera les services de traduction qui s'en occuperont. On pourrait aussi penser à faire une distinction en fonction de public cible. Est-ce que c'est la documentation qui a besoin d'être établie est pour le grand public ou pour un groupe particulier, par exemple les juristes, où là, on demanderait d'avoir un type de traduction particulier qui s'adresserait vraiment à ce groupe-là plutôt qu'une traduction qui s'adresserait plus au grand public. Une troisième possibilité, ce serait au niveau de la procédure. Donc, quand on établit des textes législatifs, il y a un certain type de discussion qui doit avoir lieu, qui dépend beaucoup des juristes. À ce moment-là, ce ne serait pas vraiment l'endroit pour des traducteurs, mais à d'autres moments, dans d'autres procédures, par exemple, dans le cas des mesures d'urgence, où là, la rapidité de l'information ou la rapidité pour diffuser l'information devient plus grande, on devrait impliquer plus les équipes de traducteurs, les plus grandes équipes. Et toute la question de la spécialisation des équipes de traduction apparaît aussi. Est-ce que dans ce nouveau contexte-là, où on communique beaucoup, beaucoup plus, on communique beaucoup plus rapidement, est-ce que les instances de traduction comme la nôtre devraient avoir des employés qui seraient beaucoup plus spécialisés, des traducteurs, réviseurs beaucoup plus spécialisés pour être capables de répondre à la demande, ou si on va plutôt se cantonner dans un rôle de généraliste, qui est historiquement celui qu'on a toujours eu, et est-ce qu'il va y avoir vraiment un besoin d'augmenter ça, et qu'est-ce que ça va représenter, pour reprendre les autres panélistes, au niveau du recrutement, au niveau de la capacité d'avoir des traducteurs spécialisés dans chacun des domaines. On pense à la santé, on pense à la justice, on pense à tout ce qui est mesures d'urgence. Donc, il y a une grande discussion à avoir à ce niveau-là qu'on a entreprise avec le ministère de la Justice et qu'on espère de pouvoir poursuivre dans les prochaines années, toujours avec l'optique que le milieu langagier est en train de changer rapidement.
la traduction de Ronald est là pour rester. Et l'importance d'avoir des gouvernements transparents qui vont communiquer de plus en plus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boursier. Nous avons une question dans le Q&A qui s'adressait plus particulièrement à M. Vuillaume. La question provient de Laurence Endel qui posait la question suivante. Pourquoi avoir limité le projet de traduction au droit de la famille et au droit pénal? Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si Serge Roussel est encore là ou si Karine veut répondre, parce que je ne sais pas si je suis le plus à même de parler. Je ne sais pas si Serge Roussel est encore là. Je crois qu'il devait partir. L'importance. Non, je suis toujours là. Ok, bah Serge, peut-être. Est-ce que vous pourriez répondre. Répéter la question cependant? Oui, c'est pourquoi c'est le projet des traductions de l'anglais vers le français parmi les 10 dernières années les plus importantes dans les différentes provinces a été limité au droit de la famille et au droit criminel. Donc, je tiens pour acquis que c'est une question de droit qui peut s'assimiler. L'argent vient du gouvernement fédéral, donc le droit criminel. Étant de juridiction fédérale et droit de la famille, l'aspect divorce. Donc, c'est plutôt donc une question de commencer par ces projets-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, ça ne s'étendra pas à d'autres domaines. C'est plus une question de le début du projet parce que je sais que déjà, on parle également de droit des peuples autochtones. Merci. Merci, M. Roussel. M. Vuillon pour la réponse à cette question. Alors, we are now moving to the last block of presenters called Bilingualism and Bilateralism in the Federal Institutions. And our first presenter is Christian C. Després, Chief Jury Linguist at the Supreme Court of Canada. Bonjour, vous m'entendez bien? Très bien, merci. Très bien. Bonjour, Étienne. Je suis très heureux d'être avec vous, même si ce n'est que virtuellement. Le sujet dont on m'a demandé de traiter, c'est quels sont les enjeux du bilinguisme et du bijuridisme, vous me dites si je parle trop fort, dans la production des jugements à la Cour suprême du Canada. Je voudrais tout de suite peut-être faire une remarque. J'ai présenté des communications sur cette question-là. J'allais dire ici même, là, mais à l'Institut. Il y a quelques années, ainsi qu'à Poitiers. Et je vais voir s'il est possible, avec les gens de Poitiers, de mettre à la disposition des gens qui participent à l'atelier aujourd'hui le texte en question, qui est évidemment beaucoup plus détaillé. Ce que j'entends faire, en raison du temps limité dont je dispose, c'est de m'attacher à faire certains liens entre la production des décisions de la Cour et quelques enjeux clés que je considère plus larges. Ici à la Cour, des enjeux clés qui sont importants pour la Cour. Pour ce qui est du bilinguisme, comme vous le savez sans doute, la Cour entend des causes dans les deux langues officielles et, fait important, elle rend ses décisions simultanément dans ces deux langues. Les décisions de la Cour sont non seulement mises rapidement à la disposition des gens, qu'il s'agisse des partis, des juristes, des journalistes, des justiciables en général, mais elles sont aussi diffusées très largement. Évidemment, moi, je suis ici depuis, je suis ici depuis 1995, c'est que j'ai pu voir beaucoup l'évolution de ça. Avant ça, les décisions étaient publiées, format papier. On en imprimait peut-être 100 ou 200 copies. Il y avait peut-être moins de gens qui les lisaient. Aujourd'hui, un simple clic, tout le monde a accès à ça partout, que ce soit au Canada, à l'étranger. L'accès facile et rapide à ces décisions permet donc à une grande variété de gens de les consulter, de les utiliser. Cet accès-là
dont les gens disposent maintenant m'amène à souligner l'enjeu de l'accessibilité, ce que j'appelle l'accessibilité au sens de lisibilité, et c'est un objectif important pour la Cour. Par conséquent, au besoin de produire des textes de qualité, tant sur le plan de la fond, sur le plan du fond que de la forme, des textes qui sont dans une large mesure spécialisés, s'ajoute celui de veiller à ce que ces textes soient en même temps accessibles. Évidemment, on ne vise pas le plus bas dénominateur commun, mais de faire en sorte que les justiciables en général et tout le monde puissent les consulter. Une chose que je peux mentionner aussi, c'est l'évolution des moyens technologiques qui sont utilisés et de ce que ça amène un peu. Quand je pense, par exemple, aux outils, aux moyens, bien, je pense au fait qu'on a recours, que ce soit les tweets, les gazouillis, Facebook, les sites web. Ce que ça amène, ça, et on a un nouveau document à la Cour depuis un certain nombre d'années qu'on appelle la cause en bref, case in brief en anglais, et qui sont des résumés de la décision ou de l'affaire en langage simple. Ce que je peux constater, c'est que toutes ces ressources-là, tous ces outils-là amènent fait sentir un besoin de posséder des connaissances un peu particulières, surtout des aptitudes particulières, parce que ça nous amène à agir beaucoup plus rapidement et à être capable de faire une synthèse assez de l'implicitation, des choses auxquelles on n'est peut-être pas habitué quand on traduit des textes qui peuvent avoir 30, 40, 50 pages, 100 pages, dans un délai évidemment beaucoup plus grand. Mais quand je parle d'accès aux décisions, d'accessibilité des décisions, ben si vous me permettez, je vais continuer sur ce thème-là de l'accès, et je dirais que l'accès aux décisions ainsi que leur accessibilité, au sens où j'utilise ce terme, contribue à l'accès à l'information juridique et à l'accès à la justice. En effet, la production de décisions bilingues de qualité et accessibles permet aux Canadiennes et aux Canadiens d'être en mesure non seulement de se renseigner sur leurs droits, dans leur propre langue, mais aussi de pouvoir éventuellement les exercer dans cette langue. L'accès à l'information juridique et l'accès à la justice constituent également des objectifs importants pour la Cour, pour le juge en chef Wagner. Et pour ce qui est du bijuridisme, je vais parler rapidement, mais outre l'enjeu que soulève pour nous la difficulté de travailler à des textes qui font appel, selon le cas, à des notions de common law ou de droit civil québécois, je vais me contenter de souligner que pour que les gens puissent véritablement être en mesure d'exercer leurs droits dans leur propre langue, ils doivent disposer des mots pour le faire dans cette langue, des mots pour le dire. Ici aussi, ce sont les mêmes enjeux, accès à l'information juridique et accès à la justice qui s'imposent. Sans vouloir être un petit peu grandiloquent avec tout ça, nous contribuons tous et toutes, évidemment, par nos activités respectives, à fournir ces mots aux justiciables, à les mettre à leur disposition. Mais j'ajouterais, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur, que nous avons également besoin les uns des autres pour le faire et que nous devons collaborer, échanger ce que nous permet ce genre d'activité-là. Et pour moi, ce que j'entrevois et ce que j'aimerais qu'il se produise, c'est que autant que nous soyons des rédacteurs, que nous soyons des auteurs universitaires, des jurilinguistes, des traducteurs, que l'on trouve une façon de collaborer pour mettre en commun nos expériences respectives. Et l'exemple que je donnerais à ce sujet-là, c'est par exemple si qu'on rédige un texte de loi ou qu'on rédige, éventuellement peut-être 5 ans, 6 ans, 10 ans plus tard, ces textes-là sont interprétés et c'est là qu'on est à même de constater est-ce que ça a été efficace ou ça a été moins, quelles sont les situations où on pourrait apprendre de cela et après ça, et à l'inverse dans les deux sens. Je pense que actuellement, on est dans une situation où il va y avoir une relève et je suis heureux, je vais terminer là-dessus, mais je suis heureux de constater qu'il y a, que ce soit à McGill et aussi j'ai vu passer récemment un message, je crois que c'est au Manitoba, où on établit des programmes de traduction juridique, on le fait de façon virtuelle. Je pense que c'est essentiel que ça se passe parce que
on va avoir besoin d'une relève, le besoin est déjà là. Et comme je le mentionnais, peut-être un dernier point, vous savez, quand on parle d'accès à la justice, d'accès à l'information juridique et l'accès aux décisions de la Cour, une chose que je fais régulièrement et que l'on fait régulièrement, c'est que le lendemain des décisions ou par la suite, on consulte les coupures de presse et on écoute ce qui se dit ou ce qui s'écrit sur les décisions. Et ça nous permet, dans une certaine mesure, de constater si le message est communiqué efficacement et comment on pourrait réagir à cela. Et donc, ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire, même si ça peut sembler des objectifs très grands, l'accès à la justice, l'accès à l'information juridique. Je pense qu'on peut ramener ça à nos actions individuelles, pratiquement quotidiennes, pour voir si c'est efficace. Donc, c'est en gros, pour moi, pour les principaux enjeux du bilinguisme et du bijuridisme dans la production des décisions de la Cour. Je vous remercie. Merci, M. Lepré. Alors, on passe à la prochaine personne. Monsieur Chapdelaine, qui nous parlera pour sa part des enjeux du bilinguisme et du bijuridisme pour la production des lois au Canada. Merci, Marie-Hélène. Bonjour à tous. Je vais traiter d'abord du bijuridisme et ensuite de ça du bilinguisme. Alors, le concept même de bijuridisme renvoie aujourd'hui plus à l'institutionnalisation du contrôle de qualité des textes législatifs fédéraux qu'au défi juridique, historique et purement intellectuel d'intégrer dans le droit privé applicable des notions qui viennent de deux systèmes juridiques très différents et que les mots qui sont censés les rendre, les notions, parfois trahissent. Pour ce qui relève de la compétence fédérale, le bijuridisme existe depuis que le Canada existe. Les deux systèmes juridiques que l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord a fait coexister, c'est-à-dire le droit civil apporté par les Français et la common law apportée par les Anglais, étaient là en 1867 et leur portée est la même aujourd'hui. De toutes les provinces, il n'y a qu'au Québec où le droit privé ne soit pas dérivé de la common law et il n'y a que les lois fédérales qui doivent composer avec les deux systèmes. C'est son institutionnalisation qui, au milieu des années 90, a mis le bijuridisme en exergue. C'est un peu comme la situation des personnes qui, sur le spectre qui va de la mâlitude jusqu'à la féminitude, se retrouvent ni dans un bout ni dans l'autre. Elles ont toujours existé, ces personnes, au moins depuis l'Homo sapiens. Mais tout à coup, on en parle beaucoup. Alors, le bijuridisme au Canada est lui aussi resté dans le placard, c'est le placard de l'université, et c'est son institutionnalisation au sein du ministère de la Justice à Ottawa, quand s'annonçait l'arrivée d'un nouveau Code civil et d'un nouveau référendum au Québec, qui a fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Plutôt que de laisser à chaque rédacteur législatif le soin de rendre clair, tantôt en français, tantôt en anglais, des notions de droit privé, souvent inévitables même dans les lois fédérales, les autorités publiques fédérales ont choisi l'approche bureaucratique et rallongé la ligne de montage des textes législatifs. Aux différents contrôles existants de constitutionnalité, notamment la Charte des droits, de contrôle jurilinguistique, et contrôle technique des textes, on a ajouté des dizaines de postes d'avocats pour voir au respect du bijuridisme. On a consacré dans la loi d'interprétation la règle qui veut que le droit civil et la common law font pareillement autorité, ce que les juges ont vu comme une ratification de ce qu'ils faisaient déjà. Les articles 8.1 et 8.2 de la loi d'interprétation ont peu retenu leur attention. Outre le contrôle de la qualité bijuridique, inscrit dans la durée et les dernières modifications du corpus pour fin d'harmonisation, on en est aujourd'hui à la quatrième loi d'harmonisation. Tout ça est peut-être un peu technique pour beaucoup de monde, mais l'harmonisation s'occupe du passé, autrement dit, et puis le contrôle de qualité, c'est un contrôle constant sur tous les nouveaux textes.
On peut dire qu'à l'heure actuelle, les notions de droit privé qui surgissent dans les textes fédéraux sont assez bien circonscrites et que l'ajout de doublons pour rendre ces notions a rendu plus difficile la tâche du lecteur de ces textes. Il suffit de lire la loi qui avait pour titre jusqu'en 2001 « Loi sur les immeubles fédéraux » « Federal Real Property Act » devenue depuis « Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux » « Federal Real Property and Federal Immovables Act ». Il n'empêche, malgré tout le mal qu'on se donne pour voir une égale réception partout au Canada du français et de l'anglais, du droit civil et de la common law, il est difficile de ne pas y voir un Canada fictif. Fuite en avant où tous les Canadiens, comme en rêve, sont bilingues, lisant forcément les deux versions des textes législatifs et regardant le téléjournal de Radio-Canada et de la CBC. D'où la théorie des quatre auditoires. C'est une théorie très importante derrière le bijuridisme. L'arrêt Comeau de la Cour suprême en 2018 montre que la réalité est plus âpre. La Cour suprême rejetait à l'unanimité l'interprétation du juge de première instance du Nouveau-Brunswick, le juge Leblanc, qui a rendu son jugement en anglais après avoir entendu des avocats francophones plaider en anglais la cause de M. Comeau à propos de l'article 121 de la loi constitutionnelle de 1867 qui n'existe officiellement et juridiquement qu'en anglais. Alors, pour ce qui est du bilinguisme, les textes législatifs fédéraux sont au Canada les seuls à être rédigés simultanément en français et en anglais, les seuls avec ceux rédigés par le Nouveau-Brunswick à Fredericton. Ce qu'on appelle la co-rédaction, alors c'est le principe de la co-rédaction qui est très important dans le système fédéral. Le Québec, l'Ontario, le Manitoba et les territoires traduisent en français des textes conçus uniquement en anglais ou en français. La co-rédaction, depuis le début des années 80, est une méthode institutionnelle qui a réussi. C'est vraiment une réussite. Elle a répondu concrètement aux recommandations du commissaire aux langues officielles qui, en 1976, déplorait la relégation du français dans l'élaboration des textes législatifs. Pour autant, on doit constater que c'est un modèle qui ne trouve pas preneur. Pour en avoir vanté les mérites urbi et orbi dans toutes sortes de formations à l'étranger, je ne connais pas de législateur qui ait choisi de le mettre en œuvre. La réussite principale de la co-rédaction est d'avoir relevé considérablement le niveau de qualité de la version française, faisant en 1985 une pierre deux coups avec la révision. Évidemment, pour tous les jeunes oreilles qui m'entendent, la révision, ça ne veut peut-être rien dire, mais à l'époque, c'était très, très important. Et la dernière remonte à 1985. Le simple fait de concevoir le droit fédéral en français a, par ricochet, stimulé la réflexion sur la qualité de la version anglaise. Ce véritable bilinguisme en action a eu pour heureux résultat l'intégration dans les compétences recherchées chez les candidats la maîtrise des deux langues. C'est toujours payant de recruter des gens compétents. Durant les années 80 et 90, on recrutait encore des légistes anglophones qui sapaient la dynamique bilingue autour de la table de rédaction par leur inaptitude à pouvoir discuter valablement dans les deux langues. Depuis l'an 2000, tous les rédacteurs recrutés sont à l'aise pour discuter du texte en cours d'élaboration. La co-rédaction comme bilinguisme en action, les mots ne sont pas vains. Rédiger un texte législatif à quatre mains suppose un tamisage des idées par deux langues, donc deux cultures, et dans notre cas, deux systèmes de droit. C'est cette validation complexe qui donne au texte co-rédigé sa plus-value. En matière de préparation de textes législatifs, le bilinguisme n'est pas un luxe que certains esprits éclairés voudraient se payer. Il est imposé par la Constitution. La question s'est posée il y a quelques années de savoir si les textes fédéraux qui concernaient les Autochtones ne devraient pas être écrits dans la langue qui est la leur. Et puis, quelle devrait être la graphie de certains mots autochtones, notamment les noms propres? Si les autorités fédérales avaient voulu donner suite à cette initiative, si on fait abstraction pour un moment des difficultés lexicales, du manque d'expertise, etc.,
ce plurilinguisme du texte aurait été attribuable à une politique autochtone et non pas à une exigence constitutionnelle. Le compromis a été de continuer de s'adresser dans la version française aux francophones et dans la version anglaise aux anglophones, conformément à la Constitution, mais d'ajouter, selon le contexte, la translittération autochtone. Ainsi, en 2018, c'est la dernière loi qu'on a faite sur les Autochtones, dans la loi qui la concernait, la nation Cree ou nation Cree Deyuichi s'entend au sens de nation Cree à l'article 1.1 de l'accord. In English, Cree Nation or Cree Nation of Deyuichi. Alors, vous voyez bien qu'on renvoie à l'accord qui ne dit que nation Cree, mais dans la loi fédérale, on va dire nation Cree ou nation Cree Deyuichi. Alors, les textes législatifs fédéraux sont facilement accessibles en français et en anglais dans des formats qui peuvent varier, mais qui, sur le site du ministère de la Justice fédérale, éditeur de ces textes, restitue autant que possible l'idée maîtresse qui est mal comprise, la loi est une, quoique rendue dans plusieurs langues. Pour se pénétrer du sens qu'a voulu donner le législateur à ses prescriptions, deux avenues sont possibles. Il n'en demeure pas moins, je termine avec ça, que le morcellement qu'on jugeait il n'y a pas si longtemps dangereux, ce qu'on appelait le morcellement des idées dans les textes législatifs, qui est une vraie catastrophe, quand il s'attaquait aux idées aujourd'hui doublement dangereux parce qu'encouragé par les nouvelles techniques de communication. Si on peut extirper en un tour de main quelques mots d'une disposition légale en faisant fi du contexte, on se donnera encore moins la peine de voir ou de reproduire ce que l'autre langue en a fait. La nouvelle génération de rédacteurs législatifs a été nourrie de médias sociaux. Ils ne sont pas connus pour encourager la suite dans les idées ni l'argumentation logique. Or, ce sont là des qualités essentielles pour le rédacteur. La qualité de son texte en contexte fédéral dépend de son habileté à ordonner logiquement des idées et à argumenter à visage découvert dans les deux langues le sens des notions qu'on veut développer et le bien fondé des opérations juridiques dont a besoin l'État. Voilà. Merci beaucoup, M. Charles-Hélène. Alors, on passe à la dernière présentation avec Alexandra Kosiorowska, jurilinguiste à la Direction du droit des traités et affaires mondiales Canada. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Alors, ça va être un peu difficile de passer dans le sillage de Jean-Paul, mais je vais faire de mon mieux. Alors, voilà, je m'appelle Alexandra Kosiorowska et je travaille comme jurilinguiste au sein du ministère des Affaires étrangères, au sein de la Direction des traités, en fait, d'affaires mondiales Canada depuis 2009. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous parler aujourd'hui d'une facette un peu plus exotique, peut-être, de l'exercice de la profession. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la Direction du droit des traités fait partie du secteur des affaires juridiques d'affaires mondiales Canada et elle s'occupe principalement de conseiller le gouvernement fédéral sur le droit des traités et aussi... Une des facettes de notre travail consiste également à veiller à ce que tous les accords conclus par le gouvernement canadien soient conformes aussi bien aux normes canadiennes, aux droits canadiens, ainsi qu'aux normes internationales. Donc, comme vous le savez sans doute, les traités internationaux sont habituellement signés simultanément dans toutes les langues officielles des parties. Et en règle générale, toutes les versions officielles, toutes les versions linguistiques d'un traité font également foi, c'est-à-dire qu'elles ont une égale valeur juridique dans toutes les langues. Les traités internationaux conclus par le Canada sont généralement négociés en anglais, mais pas toujours. Si c'est le cas, la traduction française est produite soit par la partie canadienne, soit par une autre partie, selon ce qui est convenu entre les négociateurs. La règle du droit des traités qui sont principalement codifiés dans la Convention de Vienne de 1969 et à laquelle s'ajoutent certaines règles du droit coutumier.
Le rôle des jurys linguistes de la direction du droit des traités, nous sommes seulement trois, normalement deux en ce moment, mais normalement trois, consiste à intervenir à l'étape qui précède la signature du traité. Je pense que le ministère de la Justice intervient par la suite à l'étape de la transposition, mais je ne l'aborderai pas ici puisque ça ne relève pas de notre mission. Avant la signature, donc, nous intervenons soit à l'étape des négociations. Ceci est plutôt rare puisque d'habitude, les négociations se tiennent à huis clos, mais cela peut arriver dans le cas de certains traités à vocation universelle, comme les grands traités négociés devant les Nations Unies ou l'Organisation mondiale du commerce. Ou encore, ce qui est le plus courant, nous intervenons à l'étape de ce qu'on appelle le toilettage juridique, c'est-à-dire lorsque les services juridiques des parties sont appelés à réviser le traité une fois que le texte négocié est arrêté par les négociateurs. L'objectif de notre révision consiste à aboutir à un texte qui puisse être accepté par toutes les parties. Et dans toutes les versions linguistiques. Cela suppose en pratique que nous veillons à ce que la version française soit compatible ou encore mieux conforme au droit canadien, mais en même temps qu'elle respecte aussi le cadre juridique international, qui comporte aussi un cadre terminologique associé, dans lequel s'inscrit un traité donné. Et donc, notre enjeu, peut-être notre défi principal, consiste donc à faire en sorte de pouvoir concilier cette multitude de sources différentes, variées, que ce soit au niveau national ou international. Alors, pour ce qui est juste pour vous donner une idée générale, pour ce qui est des sources internationales que l'on peut être appelé à intégrer lors de la révision, il peut s'agir d'accords bilatéraux ou multilatéraux qui existent déjà, ou encore de normes, de nomenclatures, lexiques qui sont élaborées par les institutions internationales. Parfois, à cela s'ajoutent des sources comme la législation de l'Union européenne, qui est reconnue comme étant une source souvent utilisé en droit international comme point de référence. Et puis à cela s'ajoutent aussi les spécificités de systèmes juridiques des différents pays qui sont concernés par un traité donné et qui peuvent aussi avoir des préférences linguistiques ou culturelles propres à ces traités, à ces pays dont il faut que nous tenions compte. Pour vous donner un exemple très concret, si vous regardez un des accords récents, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Cet accord-là intègre par renvoi au texte du traité pas moins de 12 traités de l'OMC. Donc, ce qui veut dire que toute la terminologie qu'on retrouve dans ces accords est intégrée automatiquement dans le texte de l'accord et il faut en tenir compte à l'étape de la révision jurilinguistique. Alors, ça représente en pratique tout un défi. L'autre, et peut-être la dernière particularité pour aujourd'hui, de l'exercice de la profession de jurilinguiste dans le contexte international tient au fait que les traités, en plus d'être un instrument purement juridique, relèvent aussi de la sphère de la diplomatie et de la politique, et que ça suppose certaines contraintes, puisque le texte avec lequel on doit travailler représente l'aboutissement de négociations qui sont souvent laborieuses et il reflète des compromis assez fragiles, hein, ce qui fait en sorte que les négociateurs sont en général extrêmement réticents à perturber cet équilibre-là. En effet, cela en fait découle du fait que la Convention de Vienne prévoit que lorsque la comparaison des différentes versions linguistiques fait apparaître une différence de sens, on doit adopter le sens qui concilie le mieux les différents textes. Alors, vous comprendrez que les pays signataires sont souvent extrêmement soucieux d'éviter toute divergence entre les versions linguistiques et pour éviter des litiges au sujet de l'application, l'interprétation du traité ou encore pour éviter tout simplement de créer une incertitude juridique. Alors, vous comprendrez que ça crée quand même des défis pour le réviseur et puis ça réduit considérablement sa latitude en ce qui concerne le travail d'adaptation qui peut être fait. D'où aussi ma diapositive, parce qu'on se rend compte qu'en pratique, à cause de ces contraintes-là, on se rend compte que les objectifs de clarté et de lisibilité qui joue normalement un rôle essentiel dans la révision, la rédaction juridique, passe un peu au second plan dans le contexte pratique des traités. Alors, pour conclure, je pense que vous aurez compris, la révision jurilinguistique d'un traité international
ne s'effectue jamais en vase clos. Ça amène le jurilinguiste à composer avec une toile très variée, très complexe de règles et de terminologies, de pratiques variées qui sont élaborées tant au niveau international qu'au niveau national. Et que je pense que cette étape du processus peut servir en quelque sorte d'une courroie de transmission entre le droit national et le droit international. Et je pense que surtout dans un contexte où certains domaines du droit international évoluent très vite, se développent très vite, comme par exemple le droit commercial, je pense qu'on pourrait s'attendre à ce que les traités internationaux exercent à l'avenir une influence croissante sur l'évolution de la langue et de la terminologie juridique au Canada. Alors voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup à tous nos panélistes pour ce dernier bloc. J'ai noté deux questions. Je commencerai peut-être par celle qui s'adresse à Madame Koziorowska, puisqu'on va enchaîner avec ce qu'elle vient de dire. Donc, Philippe Axelsen vous pose la question suivante, Madame Koziorowska. Y a-t-il eu des grands ratés des traités internationaux en matière? La question n'est pas complète. Ou alors je ne la vois pas entièrement. En matière linguistique. En matière linguistique. Madame Koziorowska, il faudrait activer votre micro. Désolée, on ne vous entend pas. Oh, merci. Pardon. OK. Alors, des ratés, je suppose que l'on veut dire des ratés au sens linguistique. Mais écoutez, c'est peut-être à vous de juger. C'est sûr que moi, je pense qu'il y a des traités qui ont été mieux traduits, mieux rendus que d'autres. Le contexte fait en sorte que c'est assez inégal et nous faisons partie d'un grand engrenage juridique. Les jurilinguistes n'ont vraiment pas le dernier mot. Si je devais répondre sur le plan personnel, pour moi, le TPP est un bon exemple, un traité qui a été peut-être révisé dans des conditions qui étaient loin d'être idéales. Donc, c'est vrai que ça fait partie des traités les plus abscons et confus. Donc, mais la diapositive est en fait représentative. Mais ça peut arriver. Ça varie vraiment en fonction du contexte, puisqu'il faut garder à l'esprit, c'est que parfois... puisque le vrai travail un peu plus approfondi d'adaptation et de transposition se fait au ministère de la Justice, le temps qui nous est accordé pour procéder à la révision au ministère des Affaires étrangères est vraiment extrêmement court. Donc, entre le moment où le texte est arrêté par les négociateurs et le moment où l'on a besoin d'un texte à signer, d'une version qui pourrait être signée, parfois c'est carrément une question de jours ou de semaines en plus. Donc, c'est assez difficile. Mais oui, voilà. Merci, Madame Koziorowska, pour cette réponse. Je poserai la dernière question à Monsieur Després. Bonjour, Monsieur Després. J'espère que vous allez bien malgré la pandémie. C'est un plaisir de vous voir. Il y a donc Emmanuel Martel qui vous pose la question suivante. Le souci de lisibilité à la Cour suprême du Canada dont vous avez parlé est-il assez récent? Avez-vous expressément adopté des lignes directrices en matière de langage clair? Il faudra activer votre micro, M. Després. Désolé, on ne vous entend pas. Merci. Oui. Je dirais que le souci de lisibilité a toujours été là. C'est tout simplement que depuis un certain nombre d'années, je pense, un peu comme je le disais, à cause de la multiplication des outils de communication et le fait que les décisions, jusqu'à un certain point, en tout cas, si on remonte peut-être à 20 ans ou 30 ans en arrière, les décisions allaient où... étaient lus par les juristes beaucoup plus, peut-être beaucoup moins par le public en général. Je pense que la Cour, comme ailleurs, s'est rangée à l'idée là, d'écrire d'une certaine façon qui était peut-être moins technique. Il y aura toujours du langage technique qu'on devra toujours utiliser, mais il n'y a pas de directive claire comme ça. Mais comme je l'ai mentionné, avec le fait qu'on utilise les réseaux sociaux un peu plus. Moi, je travaille un petit peu plus avec ça de temps à autre quand c'est des événements et il faut rédiger assez rapidement, de façon assez concise. Pour ce qui est des décisions, bien, les décisions, on fait toujours attention dans le sens où, entre deux termes, un qui serait très exotique, si vous me pardonnez l'expression, et un terme qui va être
mieux compris, on va utiliser ce terme-là. Pour les communications en général, je pense qu'on est très sensible à tout ça, mais il n'y a pas de politique, je dirais, de ligne directrice claire, tout simplement un effort soutenu pour faire en sorte que les textes sont compréhensibles par la vaste majorité des gens. Merci, M. Després. Oui. C'est à moi, Étienne. Alors voilà, c'est ce qui conclut notre dernier bloc. Et pour conclure réellement cet événement, je remercie tous les participants de nous avoir livré ces témoignages aujourd'hui. Et pour conclure, comme je vous ai promis en introduction, alors je vous ai promis une surprise. Alors elle est ici, la surprise. La surprise, c'est M. Jean-Claude Gémard. Est-ce qu'il est là? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra, votre micro, s'il vous plaît, M. Jean-Claude Gémard? Je pense qu'il se passe d'introduction, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Jean-Claude Gémard, professeur émérite de l'Université de Montréal et de l'Université de Genève, qui était là à la naissance de la jurée linguistique, qu'on surnomme souvent le père de la jurée linguistique. Alors, M. Gémard, peut-être nous donner vos impressions sur la séance d'aujourd'hui. Aujourd'hui et ce qu'est devenu la jurée linguistique qui a pris forme en votre temps, sous votre plume aussi, beaucoup, et peut-être quelques mots pour la relève et pour l'avenir aussi de la jurée linguistique. Est-ce que vous êtes là, M. Gémard? Je sais que vous êtes panéliste. Oui, voilà, il faut activer votre micro. Voilà. J'active le micro, ça marche? Oui, ça marche. On vous entendez, entend. Très bien. Oui. Bien, je vous remercie, Madame Girard, et en même temps, je vous félicite. Et je félicite tous les organisateurs de cette journée qui ont mis sur pied un événement pan-canadien, parce que je suis impressionné par le nombre de personnes qui ont assisté à la journée, à cette demi-journée, mais quand même. J'aurais évidemment beaucoup de choses à dire, comme je n'ai que quelques minutes. Hein, je vais essayer d'être le plus bref possible. Je voudrais d'abord commencer par saluer tous mes nombreux amis, mes connaissances et mes collègues parmi l'assistance, il y en a beaucoup. Je salue en particulier Christian Després, que je connais depuis fort longtemps. Bonjour Christian. Et je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, après vous avoir félicité, je suis très impressionné par cette participation de si nombreux jurés linguistes à l'échelle du Canada, d'un océan à l'autre, c'est très impressionnant. La jurée linguistique, vous le savez, est une jeune discipline, jeune, c'est beaucoup dire, enfin, je m'expliquerai un petit peu là-dessus dans une minute ou deux, mais voir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par la chose jurée linguistique d'un bout à l'autre du Canada me laisse pantois, et j'en suis ravi, évidemment. Alors, on sait que la jurée linguistique est née, on dit, dans les années 70, à partir du moment où le ministère de la Justice a décidé en 1978 d'arrêter de traduire les lois du fédéral et de les corédiger. On en avait parlé à plusieurs reprises. On donne cette date à peu près comme celle de la naissance de la jurée linguistique. Or, vous vous en doutez, c'est une discipline, au moins une activité, un savoir-faire beaucoup plus ancien que cela, qui remonte au premier temps de la Nouvelle-France, puis ensuite de la conquête, mais bien, bien avant dans l'histoire, avant les Romains et les Grecs même, on pourrait remonter très loin jusqu'à des ancêtres oubliés. Donc, c'est une discipline qui est encore jeune, qui a besoin de faire ses preuves, au moins du point de vue théorique, mais pour ce qui est de la pratique, elle a fait ses preuves en 43 années d'existence. On l'a vu avec les lois du fédéral et tout ce qui en est sorti. Mais il ne faudrait pas s'en tenir à la loi, même si la loi, selon mon éminent collègue et ami Michel Sparer, est la vitrine de la culture. La culture québécoise, c'est ce qu'il voulait dire en particulier. Il n'y a pas que la loi. La loi a bien sûr
on l'a souligné à plusieurs reprises, la loi a bénéficié de ce progrès remarquable qui a été accompli en si peu de temps finalement, mais il y a beaucoup d'autres domaines que la loi, la jurisprudence, et là, M. Després, Christian Després pourra en dire beaucoup plus long que moi sur le sujet, les jugements et leur traduction, la façon dont on a amélioré la présentation des jugements pour les rendre plus lisibles au commun des mortels, et particulièrement pour les profanes, et évidemment les contrats. N'oubliez pas que dans les années 60-70, on a beaucoup travaillé au Québec sur les contrats d'assurance, particulièrement immobilière aussi, et qu'on a amélioré énormément la version française des contrats. Il y a des jurys linguistes émérites de l'époque qui ont fait un travail remarquable. Il faudrait en tenir compte. Alors, ce qui s'est produit, selon Lionel Levert, un éminent légiste de notre histoire récente, la jurée linguistique s'est graduellement instaurée au fédéral à compter du milieu des années 70, permettant de rédiger la version française des lois conformément au génie qui lui est propre. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. On ne traduit plus la lettre seulement, mais on traduit l'esprit. On traduit l'esprit de la langue et du système juridique d'arrivée, c'est-à-dire pour nous, au Québec, selon la tradition du Code civil. Et Alexandre Kovacs, un des éminents pères de la jurée linguistique moderne également, il nous dit, Kovacs, qu'il ne s'agira donc plus de faire dire aux Français, vaille que vaille, ce que l'anglais dit, mais de faire en sorte que les deux versions, tout en s'exprimant chacune à sa façon, transmettent le même message. J'aurai beaucoup d'autres citations à vous dire. André Labelle, bien connu de beaucoup d'entre vous aussi, un ancien étudiant à moi d'ailleurs, qui ajoute « Jusque dans les années 70, les projets de loi étaient rédigés en anglais puis traduits en français. Les traductions effectuées dans de mauvaises conditions étaient critiquées pour leur manque de rigueur et d'authenticité. » Bon, ce n'est pas une critique des traducteurs, c'est une critique des conditions dans lesquelles ils travaillaient. Parce que les traducteurs, contrairement à la légende, ce ne sont pas des traîtres, mais ce sont des gens qui font de leur mieux et qui ont fait un travail remarquable depuis les origines du Canada, quoi que l'on puisse penser. Alors, cette jurée linguistique s'est évidemment révélée au début des années 80, disons, particulièrement dans les textes législatifs, donc à partir du moment où l'expression française, nous dit Alexandre Kovacs, l'expression législative française tend à se dégager en traduction comme en rédaction de l'influence lexicale et stylistique de l'anglais. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes sur les traducteurs. M. Bélanger, le grand cabinet Tétrault, McCarthy, qui disait que l'avenir du traducteur en tant que tel pourrait être menacé. J'entends cela depuis plus de 40 ans, je vous assure. On aura toujours besoin de revoir les textes faits par la machine. Je peux vous en parler parce que je travaille avec les deux. Je peux vous dire qu'on a besoin de réviser les textes des machines, quelles que soient les machines à traduire. On a encore besoin de traducteurs. Et le programme auquel vous participez, disons, dans son inauguration, qui est présenté et dirigé en grande partie par Mme Girard, a pour but de former justement des jurys linguistes et de répondre aux besoins peut-être de Moncton, comme de McCarthy-Tétrault, ou de Vancouver, ou de Toronto, dans les années qui viennent, parce qu'il faut les former, ces jurys linguistes. Alors, au ministère de la Justice, on considérait de plus en plus, dans les années 70, que la traduction n'était plus le moyen, je cite le ministère, le moyen par excellence d'obtention de la version française. Alors, on connaît la suite, je ne vais pas vous faire l'historique de la jurée linguistique, il se trouve dans de nombreux articles et écrits et livres, mais son exemple et son modèle se sont répandus un petit peu partout dans le monde. J'ai entendu tout à l'heure que l'on disait, oui, c'est vrai, aucun pays peut-être n'a appliqué la méthode, mais je peux vous dire qu'en Europe, en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre,
partout où je suis passé, on fait des colloques et des séminaires sous l'égide de la jury linguistique dans la langue du pays. Jury linguistique, linguistique juridique ou autre. Non, jury linguistique. Ça n'est pas passé inaperçu, tout à fait. Alors, donc je disais qu'elle ne se réduisait pas au seul texte législatif et que son influence s'est étendue un petit peu partout. Et pour le, faisant redorer l'image du pays bilingue et juridique qu'est le Canada, dans les conditions que vous savez bien. Alors, quelques 43 ans plus tard, on peut faire un premier bilan des retombées de cette jury linguistique et constater donc les réels progrès. Monsieur Després vous l'a dit tout à l'heure, à la Cour suprême, dans les cabinets juridiques, dans les universités, dans les ministères de la justice, dans les bureaux de traduction, qui pourrait nier que l'on a fait des progrès énormes au cours des 30-40 dernières années dans la rédaction juridique, du point de vue de la lisibilité, du point de vue de la concision, du point de vue de la clarté et du point de vue de la précision du langage du droit. Alors, tout cela est fort bon pour nous tous et nous promet un bel avenir, malgré tous les problèmes que vous avez soulignés. J'en ai souligné 16, mais il y aurait les 50 nuances de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel que l'on pourrait imaginer à propos du Canada, que vous avez souligné. J'en ai fait une liste qui ressortira un jour, peut-être dans un article. Je vous en remercie. Mais je suis, comme on dit en anglais, concerned par tous les problèmes que vous éprouvez, que vous évoquez, que vous aimeriez régler et que nous n'avons pas les moyens de régler à court terme. Mais nous y travaillons, nous y pensons. Nous faisons tous des efforts. Et c'est le message de jury linguistique que je voulais transmettre à tous et à toutes. Et en vous remerciant pour votre attention et aussi pour tout le travail accompli par les organisateurs de cette journée. Merci encore. C'est nous qui vous remercions, M. Gémard, pour ces mots inspirants et pour nous avoir fait l'honneur de vous joindre à nous aujourd'hui, comme surprise. Alors, on va terminer avec un mot de Marc Kantaki, le directeur du Centre Crépeau. Bonjour à tout le monde. Un grand merci à tous et à toutes qui ont participé à cet événement et qui ont pu y assister. I saw over 300 people today, which is really impressive, and practically all of them stayed until the end. So it's really heartwarming to see that. Je salue tout particulièrement mes collègues des trois autres centres du Réseau canadien de jury linguistique, donc François Blé du CTDJ, Serge Roussel du CTTJ et Eileen Clark du Centre des ressources en français juridique. Un très, très grand merci à Étienne et Marie-Hélène pour l'organisation de cette journée incroyable. Le Centre Crépeau est très fier de son partenariat avec le programme d'études supérieures en traduction juridique. Et donc, c'est vraiment le fun de voir un événement comme celui-ci qui démontre le potentiel de ce genre de partenariat. Il ne faut pas oublier non plus le soutien de l'équipe du Centre Crépeau, en particulier Manon Bertiome, et l'équipe de marketing et de communication de l'École d'éducation permanente à McGill, notamment son directeur David Keenan. Et finalement, un merci au ministère de la Justice du Canada et son programme d'accès à la justice dans les deux langues officielles. Sans son appui, ce genre d'événement ne pourrait pas être possible. J'aimerais céder le tout dernier mot à Étienne et Marie-Hélène, car c'est à eux que revient le fardeau et la gloire de l'organisation de cette journée. Merci beaucoup, Marc. Alors, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Merci beaucoup à tous pour vos contributions. Merci aux gens qui ont assisté. Comme Marc l'a dit, ce sont des chiffres incroyables, des records de participation, je crois, pour un institut annuel de jury linguistique. Donc, vraiment,
C'est un très grand succès et on vous le doit à nous, tous nos panélistes. Monsieur Jean-Claude Gémard, ça a été vraiment un honneur pour moi de vous entendre aujourd'hui. Merci beaucoup à Marie-Hélène. Également, c'est un très beau partenariat entre le programme de traduction juridique de McGill et le Centre Crépeau et on souhaite donc longue vie à cette association. Alors, merci beaucoup, bonne fin de journée et surtout bonne fin de semaine. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.